Vous le pensiez peut-être disparu, votre podcast mensuel revient après de longs mois d'absence sous une toute nouvelle forme, toujours plus focalisée sur l'actualité du socio-financement. Moins scripté, plus libre, cette émission vise, en plus de faire le tour des événements marquants, à revenir sur les reviews de mes invités, ainsi bien sûr que sur les miennes, afin de vous offrir un vrai retour sur les jeux qui, il y a encore quelques mois, étaient d'après nous des pépites à baquer absolument. Le tribunal des youtubeurs est le 7e épisode du podcast Autour du jeu, un pilote que vous pouvez retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube Nyx ou écouter sur vos plateformes de streaming préférées. Bonjour à tous, bienvenue, un accueil tout particulier aux auditeurs qui nous écoutent sur les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, SoundCloud. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas croisé, et la raison de cette rentrée tardive, c'est, d'autour du jeu, c'est son changement de formule, puisque vous assistez aujourd'hui au pilote de ce nouveau podcast, qui sera plus axé sur l'actualité, et aussi dans une deuxième partie, sur la revisite de nos anciennes reviews avec mes invités, une sorte de droit de réponse, donc de SAV, une fois les jeux en question bien sûr livrés, même si pour ma part, aujourd'hui, il y aura une petite exception. Je suis accompagné de deux personnages que normalement vous connaissez très bien, Kevin et Xavier des Ludovores. Messieurs, bonjour, comment allons-nous ? Ça va bien, merci beaucoup. Pas mal non plus. Est-ce que vous avez le trac ? Parce que vous portez quand même là sur vos épaules la réussite, le succès de cette nouvelle formule dont vous êtes une partie intégrante. Terriblement, j'ai des genoux qui tremblent. C'est vrai, vous avez préparé toute cette actualité, tous les moments forts finalement de cette émission qui seront aussi dans le bêtisier, j'imagine. À 4 heures de préparation, bien évidemment. Minimum, physique et mental. On va attaquer tout de suite sur cette première partie, donc l'idée ce sera de revenir sur un événement de l'actualité ou un jeu, quelque chose qui va être à venir ou qui vient d'arriver. Pour cette première fois, on va prendre un petit peu plus de recul puisque finalement, on est aujourd'hui, cette rentrée, ça constitue à peu près le milieu de l'année pour nous les gamers, les joueurs de jeux de société, puisqu'avec le nouvel an chinois finalement, on a un début d'année pour nous qui se situe plutôt au printemps. Et puis là, on arrive à la période où les éditeurs se réveillent, on repart avec beaucoup de projets et aussi beaucoup de livraisons là, jusqu'à à peu près décembre. Donc l'idée, c'est de chacun, à notre tour, parler voilà, d'un événement, d'un projet attendu ou à venir, reçu ou à venir, pardon. Et on peut commencer avec toi, Kevin. De quoi tu voulais nous parler aujourd'hui ? Alors on est sur la première partie où je dois donc parler de... je relis mes fiches. Exceptionnel. 4 heures de préparation. Exceptionnel. Merci pour ce moment. Flamecraft. Tu m'as perdu. Flamecraft. Franchement, j'ai fait une intro qui a duré une minute. T'es déjà perdu. C'est bon. C'est bon. En fait, non, je me suis perdu mes parties. Est-ce que je suis allé trop vite ? Est-ce qu'il manquait ? Non, c'était très bien. Juste l'ordre des parties. J'étais parti d'abord sur Scarface 1920, c'est bien ça, hein ? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ce sera pas coupé, hein. Je le couperai pas, ça. Kevin, brut de décoffrage. Non, mais c'est vrai, je suis allé un petit peu vite. On aurait pu dire comment vous avez senti cette année, comment ça s'est passé. C'est vrai qu'on peut, on peut parler de ça en quelques mots. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui reste finalement de cette période de Covid là, qu'on a eu où d'un seul coup les coûts ont explosé, les délais ont explosé aussi, ont été décuplés. Est-ce qu'aujourd'hui, on en a déjà parlé, on peut peut-être refaire un point là maintenant, on est sur un nouveau normal où de toute façon c'est cher, ça restera cher, c'est juste un peu moins long que l'année dernière. Est-ce que vous sentez que ça bouge encore ? Moi j'ai l'impression quand même que aujourd'hui, avec la TVA, avec le shipping, etc., c'est dur d'avoir un pledge à moins de 100 euros, même sur des jeux mid-range. Je pense à Life of the Amazonia qui vient de lancer sa campagne, qui doit être vendue à 60-70$ hors tout, et qui du coup, bah, pour un jeu mid-range familial, ça commence à... Bref, ça fait 100€ pour un jeu qu'on trouvera en boutique à moitié prix. Quel est votre senti sur cette année ? Comment ça s'est passé ? Bah, je vais te dire très honnêtement, pour ma part, c'est un peu étrange, parce que du coup, j'ai quand même énormément moins pledgé déjà, pour des raisons justement... de coûts de frais de transport, enfin de frais de port. Quoi. Ce qu'on avait évoqué d'ailleurs dans notre entretien il y a quelques mois. Ouais. Maintenant, c'est vrai que c'est devenu, depuis le début du Covid, c'est devenu un réflexe dans un nouveau projet. Je commence par regarder non pas le projet, mais par les frais de port.
C'est très triste parce que j'aimerais pas, parce qu'il y a beaucoup de projets à côté desquels je passe sans aucun doute, mais je peux pas justifier de payer autant que le jeu en frais de port, par exemple. Ça m'est arrivé sur un ou deux projets de voir ça et j'ai fait, bon ben, tant pis, là, c'est pas possible. Parce que la spécificité, on rappelle que tu vis au Japon et que donc tu ne payes pas de TVA, mais par contre, à côté, les frais de port sont assez massifs. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que, alors du coup, je sais pas, Kevin aussi, moi, je me retrouve beaucoup maintenant à mettre des dollars ou maintenant des 5 ou 10 dollars, parfois, c'est le ticket d'entrée pour le PM. Et me retrouver à certains mois où, un peu comme si je faisais des crédits finalement, à me dire, bon, si je veux tout ce pourquoi j'ai mis 1 ou 5 dollars, il faut que je sorte 500-600 euros d'un coup. Et peut-être que je perds plus d'argent parce que finalement, je vais pas au bout de mon PM. Est-ce que tu en es là aussi? Comment ça se passe pour toi? Alors, jusqu'à cette année, j'avais jamais mis justement 1 dollar ou 5 dollars juste pour accéder au Pledge Manager. Je tentais autant que faire se peut de prendre ma décision finale avant la fin de la campagne, ouais, et de laisser partir, même si un Pledge Manager potentiellement arrive après. Et cette année, je l'ai fait pour la première fois. J'ai mis 1 dollar parce qu'en fait, on était dans une période, enfin, on arrive dans une période en fait maintenant, en septembre, octobre, novembre, qui va être assez chargée. Et du coup, je sais qu'il y aura plusieurs projets qui vont m'intéresser. Celui-ci était assez cher, donc je me suis dit, il me tente bien, mais je vais attendre de voir, parce que je sais que derrière, il va y avoir du lourd. C'est lequel, par curiosité? Donc oui, je l'ai fait pour la première fois cette année, mais une fois. Et pour l'instant, je n'ai pas dépassé ça, donc non, ça n'a pas tellement changé mes habitudes en soi. C'est lequel, par curiosité, ce projet? C'est Moonrakers. D'accord, ok, ouais. Un jeu pour lequel duquel je suis un féroce avocat. Ben, le Pledge Manager s'est terminé il y a 2 jours. Oui, il a fermé il n'y a pas longtemps. Et finalement, j'en suis resté à 1 dollar. Ah, donc tu n'as pas converti finalement. Tu n'es pas allé au bout du... J'aurais voulu, pour être honnête, mais même si désormais il y a un mode coop avec une application qui peut permettre de jouer de manière assez conséquente à 2 personnes, ça reste pour moi un jeu qui mérite d'être joué à 3-4 joueurs et c'est pas une configuration à laquelle on a accès si souvent que ça. Ouais. Et c'est pas quelque chose que je prenais vraiment en compte auparavant, mais de plus en plus, quand on accumule les jeux, il faut aussi maintenant prendre en compte le fait qu'on joue quand même principalement à 2 et qu'on a moins de chances de sortir des jeux à 3-4, même si ça nous arrive une fois de temps en temps. Il y a aussi le phénomène, moi c'est ce que j'ai subi plein de fois là, surtout cette année, des reprints plus extensions qui, pour des gens comme moi, qui, bah, comme beaucoup je pense, hein, qui ne peuvent pas tout suivre, tu vas découvrir un jeu au moment du reprint plus expansion, et tu dis bon, c'est peut-être moi qui suis faible, mais tu dis si je prends qu'une core box, le reprint plus extension c'est presque la dernière chance, et ça m'est arrivé, tu vois, il y a Rivet Wars sur lequel j'ai mis 1 dollar, il y a Dead Reckoning aussi que j'avais acheté mais pour quelqu'un, donc du coup je l'ai vu passer et je le reveux, mais maintenant avec les extensions ça fait beaucoup et j'ai du mal, mais ça c'est mon problème de consommateur un peu chronique qu'on est sans doute un peu tous à me dire bon bah je vais juste prendre la core box et puis le reste je m'en débarrasse. Je trouve ça super dur, mais ça fait des billets d'entrée qui sont énormes. Alors on parlera tout à l'heure d'ailleurs Xavier Deutia, je sais pas si vous, est-ce que vous arrivez aujourd'hui vous plus aussi à vous limiter à de la core box? Je crois que Xavier, t'es peut-être le plus complétionniste des deux, non? Ah non, tu dis pas moi de toute façon, un jeu en financement participatif, c'est pas possible que je prenne que la core box. Si je prends que la core box, je ne prends pas le projet. Ouais. C'est simple. C'est... Là, pour revenir au pledge à 1 dollar, moi j'en avais fait 2, principalement. Il y en a un, c'était le Voidfall de Mindclash, et là, je suis allé le pledger, parce qu'en même temps, on a pris Tricerion pour Kevin, oui, et Astra, le nouveau projet de Mindclash, petit projet léger. Et le deuxième, bah, c'est lui qui est toujours ouvert et pour l'instant qui ne semble pas vouloir fermer, c'est Unsettled, parce que je ne veux pas l'acheter parce que Kevin l'a, et je veux l'acheter parce que ce jeu est juste une œuvre d'art. Ouais, on est d'accord aussi. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Unsettled, peut-être qu'on le mentionnera tout à l'heure. Et sans trop de transition, est-ce que Kevin, tu te sentirais peut-être de nous parler d'un projet qui, par exemple, qu'on aurait pu préparer avant l'émission et qui était prévu que tu parles maintenant. Est-ce que ça... ça me semble faisable. Il est sympa quand même. Hein. Il essaie de pas te traumatiser là. Il est vraiment quand même super sympa. En douceur. Hein. Prenez pas. Bah, parmi les projets que j'attends avec impatience, dont la livraison devrait théoriquement pas trop tarder, ou plus trop tarder, même s'il y a déjà beaucoup de retard comme bon nombre de projets sur Kickstarter, mais je pense que si les gens regardent cette vidéo, c'est qu'ils sont certainement dans une situation.
c'est Scarface 1920, qui, si je me souviens bien, avait fait du coup une campagne à l'été 2020, si je me souviens bien. Je suis en train de checker mes sources, justement. Non, ça n'était pas 2020, c'était 2021, me semble-t-il, oui, parce que j'étais déjà sur la chaîne et je l'avais présenté, donc 2021. Peut-être en mai-juin 2021. C'est, si je dis pas de bêtises, c'est le premier jeu de Red Zen, hein, c'était leur coup d'essai. Exactement, le premier jeu de Red Zen, éditeur espagnol, qui avait fait une campagne assez incroyable pour un premier éditeur, enfin un premier projet, avec presque $1 million On a frisé le million, c'est ça, ouais. Ouais, avec quoi, 7000, 8000 contributeurs, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 7420, exactement. Ouais. Et donc, alors moi. Donc, oui, c'est un projet que j'attends avec impatience parce que DA, vraiment magnifique. Pourtant, dans une thématique qui semble repousser, vraiment, c'est quelque chose qui ne m'attire pas outre mesure, mais j'ai trouvé que la direction artistique était vraiment bien associée à la thématique. Et en plus de ça, ça reprend aussi un des mécanismes que finalement j'ai assez peu représenté dans ma ludothèque à ce moment-là, à savoir le contrôle de territoire, même si ce n'est pas le seul mécanisme à prendre en compte dans ce jeu, parce que c'est un jeu qui vient mélanger pas mal de mécanismes différents, ce qui est aussi une chose qui le rend intéressant. Mais du coup, c'était un mécanisme que j'aurais voulu explorer un petit peu plus, donc ça m'en donnera l'opportunité prochainement, j'espère en tout cas. Alors c'est un jeu pour le coup que j'avais backé aussi, après peut-être Xavier, on viendra aussi à trouver une opinion là-dessus, malgré le fait qu'il y ait des critiques qui étaient pas mauvaises, mais parfois un peu tièdes, qui disaient que le jeu était peut-être un petit peu lourd à apprendre pour ce qu'il avait à donner au final. Je l'ai peut-être un peu trop backé pour sa DA, je sais que j'ai craqué assez tardivement. Toi, t'as pas d'inquiétude là-dessus? C'est mon premier point de contention, j'en ai deux vraiment sur ce jeu-là, que j'ai backé et donc que j'attends aussi quelque part. Sur le, tu vois, l'accessibilité versus qu'est-ce que vraiment il apporte, même si t'as l'impression que ça part dans tous les sens, ça peut être bien ou ça peut aussi se retourner contre le jeu quelque part. Alors, deux choses. La première, c'est que d'abord, les retours que moi j'ai pu en voir se sont limités à 2-3 vidéos dans la sphère anglophone et ils étaient plutôt très bons, les retours. Alors effectivement, c'était pas exempt de tout reproche parce que c'est un premier projet, parce que c'était encore à l'état prototypal, etc. Mais globalement, les avis que moi j'ai pu en voir étaient plutôt très très bons et je pense qu'entre-temps, ils ont su polir un petit peu leur projet, le polisher comme il fallait. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude à ce sujet, même si je suis pas à l'abri d'un désastre, bien évidemment, en termes de gameplay. On n'est pas à l'abri que ce soit finalement raté, surtout que c'est un premier éditeur, donc on n'a pas de garantie de qualité derrière, on n'a pas de pédigré qui pourrait nous dire qu'effectivement... Non, j'ai pas spécialement peur. Et la deuxième raison aussi que je pourrais évoquer, c'est qu'en fait, c'était en 2021, c'est ça, donc, printemps 2021, ça faisait 9 mois, entre 6 et 9 mois que je commençais à backer sur Kickstarter. Et comme beaucoup de gens, quand tu commences à backer sur Kickstarter, tu backs assez facilement. Surtout qu'à l'époque, on avait encore des frais de port pas trop dégueulasses. Et du coup, j'avais beaucoup plus de facilité à backer des trucs que maintenant. D'accord. Donc je fais bien plus attention. Je pense que ceci dit, j'aurais encore backé s'il est sorti aujourd'hui. Oui, parce que malgré tout, c'est celui-là que tu as choisi de mettre en avant aujourd'hui. Donc oui, c'est pas... Ouais. Alors deuxième point, très court, après on en vient à Xavier. On parle de désastre. Il y a, moi je vais venir aussi, il y a une boîte derrière moi qui aujourd'hui rime avec désastre. C'est un éditeur espagnol, tu l'as dit. Qui dit espagnol, qui dit éditeur espagnol, dit aussi Tutomatoes. Et il semblerait avoir les drafts de la version française du jeu, qu'en termes de traduction, on soit pas loin. Alors je vais pas dire qu'on soit au niveau de Lands of Galizia, parce que je vais en parler, y a vraiment, c'est difficile de comparer quoi que ce soit à ça. Mais je me souviens de l'introduction du livret où la traduction française c'est le vent frôlait son visage. Et donc tu sens tout de suite que c'est pas un natif qui a écrit ça, puisque il peut caresser ton visage, ou tu vois, mais il va pas frôler ton visage. Est-ce que ça te fait pas peur? Est-ce qu'il y a que moi, en termes d'immersion, même un mauvais livre de hype, déjà, pour moi, c'est une mauvaise attaque, une mauvaise entame dans un jeu? Clairement, oui, mais le truc, c'est que Xavier et moi, souvent, pas toujours, on en revient un petit peu ces derniers mois, on prend souvent les versions anglaises ouais. Parce que on participe de temps en temps à une association internationale, comme à Osaka, avec des Américains, des Anglais, enfin, principalement des anglophones. Donc si on veut sortir à plus de deux joueurs, on a plus de chances de le faire quand on prend une VO, enfin pas une VO parce que c'est des Espagnols du coup, mais une version anglaise tout du moins. Ouais, ok, donc là voilà, la crainte n'est que dans mon camp. Un mot là-dessus Xavier peut-être, est-ce que tu l'as vu passer ou alors ça te passe complètement au-dessus? Scarface
Moi, ça m'avait laissé complètement indifférent comme projet au moment de, comment ça s'appelle, au moment de sa sortie. Et pourtant, j'étais aussi, comme Kevin, dans une période un peu de lune de miel avec les projets de socio-financement où je baquais un peu tout et n'importe quoi. Et franchement, celui-là, il était vraiment passé en dessous de mon radar. Je l'avais regardé et franchement, ça n'avait rien évoqué en moi et j'étais passé à autre chose. Très honnêtement, j'ai vraiment rien à en dire parce qu'à l'époque, ça m'avait vraiment laissé assez froid. Donc du coup, vu que Kevin a l'air quand même assez enthousiaste et que Kevin a quand même bon goût, je suis curieux d'y jouer maintenant. Parce voilà, que je oui, me dis que si Kevin l'a backé, c'est quand même que doit y avoir des bonnes raisons derrière. Il y a cet avantage pour vous de bosser en équipe, même en dehors de YouTube, et du coup de pouvoir comme ça se reposer un peu sur le fer de l'autre. Donc oui, à voir. Alors du coup, vous l'aurez peut-être même avant moi. Je ne sais pas s'il y aura un retard avec les... Alors, franchement, avec le distributeur que nous avons dans la région Asie, ouais. C'est pas la... Moi, ah, c'est je à ce point-là. Suis... Mais moi, je suis, non. J'ai envie de sortir le bazooka, la mitrailleuse calibre 50 lourde, parce que actuellement, le distributeur, la VFI International, dans ses entrepôts, il doit avoir au moins 5 de mes Kickstarter. Mais quoi, les tiens, ou ceux de tout le monde? Bah, non, mais je veux dire, 5 jeux que j'ai backés. Téléphoné avant. Et voilà, il y a des dates de livraison pour les Philippines, pour la Thaïlande, pour ça, mais pour le Japon, il n'y a rien. Et c'est sûr que c'est la faute du distributeur, il n'y a pas de problème, je ne sais pas, administratif avec le Japon en particulier ou... Alors là, ça pourrait, parce que le Japon, il y a des moments sur les réglementations, ils sont un peu bizarres, surtout en temps de Covid. Mais j'ai quand même reçu d'autres pledges que j'avais backés depuis, et voilà. Mais là, je sais pas, il y a une espèce de goulet d'étranglement, je dois en avoir au moins 5, dont un dont on va parler là dans quelques minutes. Ouais. Et honnêtement, ça me court sur les nerfs, ça me donne envie de ne plus backer. Ouais, mais j'imagine, ouais. Oh ouais. Ça me donne envie d'acheter des jeux en occasion qui sont vendus ici parce qu'ils sont très propres et que je me dis, bah finalement, au moins là, je les ai dans les 3 jours, quoi. Ouais, est-ce que tu ajoutes au délai de rallonger maintenant de production des campagnes cette espèce de délai de traitement de livraison de VFI? C'est vrai que c'est pas terrible. En fait, je pourrais quand même dire qu'il y a quelques jeux distribués par VFI au Japon que j'ai reçus avant les Européens. Bon. En fait, je sais pourquoi. C'est parce que pour le Japon, comme pour un certain nombre de pays, VFI procède à des expéditions consolidées. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas rempli un conteneur, ben ils n'envoient pas le conteneur. Donc, voilà. Alors évidemment, si par exemple sur un jeu, ben, il y a eu 10 backers au Japon, ben, le jeu il n'est pas prêt d'être envoyé. Ouais. D'accord. Donc c'est si il faut arrêter de pledger des jeux de niche peut-être. Oui, voilà les comment ça s'appelle les jeux de japonais à base de soubrettes françaises habillées en français. Bon, voilà, faut que je les prenne directement ici. Quoi. Est-ce que tu veux dire? Ouais, je te connais. Calomnie. Tu t'imprègnes de la culture locale, c'est très bien. je ne m'engagerai pas sur ce terrain glissant. C'est pas si imprégné est vraiment le bon mot. Non, oui, voilà. Après, ça va déraper. On va encore devoir faire des coupes franches dans ce podcast familial. Tout à fait. Je vais enchaîner avec mon sujet parce que normalement j'aurais dû vous parler de Lands of Galzir et je le ferai pas forcément aujourd'hui parce que vous risquez d'en entendre pas mal parler sur la chaîne dans les semaines à venir. Je sais pas encore dans quelle proportion, ça dépend aussi de comment ça va évoluer. Je l'ai évoqué il y a pas si longtemps, la traduction française, donc faite par Tutometos, qu'un éditeur espagnol, elle est désastreuse, elle est, fasse attention à pas calomnier non plus, pas à diffamer, mais pour partie à minima, faite exclusivement avec DeepL, ce qui est un équivalent de Google Traduction, c'est-à-dire que si vous copiez la version anglaise dans DeepL, vous vous retrouvez avec votre version française. Sachant que c'est un jeu à 95% narratif, ça pose des gros problèmes. Tutometos a pu avoir avoir une réputation, on va dire, discutable en termes de traduction française, mais c'est la première fois que ça explose à ce point-là, au point que l'auteur finlandais Sami Laakso, donc de la version anglaise, a, je crois, poussé pas mal les choses. Il a demandé quand même à Philibert d'arrêter la vente en France de ce jeu-là. Il semblerait même que Tutometos, c'est à vérifier, je reparlerai la semaine prochaine dans le récap, ait fermé l'accès aux livrets français. C'est ce qui semble se dégager d'un poste, mais alors qui a été traduit, bah encore une fois, avec DeepL, pour le coup, par un membre de la communauté, donc il faudrait que je vérifie le truc. Non, mais c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. J'ai mis quand même un ruban de deuil dessus, parce que c'est un des jeux que j'attendais le plus. Il était numéro 4, je crois, dans mon top 10 des campagnes les plus attendues l'année dernière. J'aime Sami Laakso, pour moi, c'est le Ryan Locat finlandais, et le mec, il écrit ses histoires, il fait la DA, il fait les mécaniques, il fait tout seul, il a un monde cohérent sur tous ses jeux. Et je...
je suis effondré en fait. Je dis pas que j'aurais pu prendre une VO parce que la VO était assez. N'était pas très accessible. C'était vraiment de l'anglais assez, assez haut de gamme. Mais là, du coup, je suis très frustré. Voilà, donc j'en parlerai pas plus aujourd'hui. De mon côté, je mène une sorte d'enquête. J'essaie de trouver des témoignages, des choses, même d'avoir le traducteur français ou Tomatoes qui en interview pour vous donner quelque chose. Pour l'instant, je m'arrêterai là. Le jeu dont je veux parler aujourd'hui, dont je veux reparler, remettre à l'honneur rapidement, c'est Earthbound Rangers. Alors là, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus gai. C'était le premier projet de Earthbound Games qui a été lancé l'année dernière, lancé, financé avec un succès assez, assez correct. Chez Earthbound Games, vous avez des anciens de chez Fantasy Flight. Donc, on va retrouver beaucoup de mécaniques pour ceux qui aimeraient les Marvel Champions, les Horror Arkham, le jeu de cartes. Ma déception, ça c'est un truc sur lequel je voudrais vous voir réagir. Ça fait deux projets où vraiment ça me pique fort. C'est un projet dont la VF a été annoncée bien après la fin de la campagne. On ne peut pas blâmer l'éditeur pour ça, parce que je pense que vous le savez mieux que personne, c'est très compliqué de négocier des versions localisées avant une campagne sans savoir s'il y aura des backers de la langue en question. C'est des sous à avancer, logistiquement c'est compliqué. Mais je peux pas m'empêcher d'être super déçu parce que j'ai eu le cas avec Pagan Fate of Roanoke, qui est un super jeu qui est francisé, enfin localisé par Super Meeple, si je dis pas de bêtises, où vous vous retrouvez, moi je me retrouve partagé entre ma Super Deluxe, dédicace à Xavier, parce qu'il fallait que je prenne la Super Deluxe, et le fait que si je veux y jouer, il faut aussi que je rachète une version française et peut-être que je fasse un mix avec mes éléments Deluxe de la VO. Ça me désole. Et je pense malheureusement, ou heureusement pour eux, que je rachèterai Earthbound Rangers en français, sans savoir vraiment ce que contiendra la version boutique. Alors, je finis mon speech, ma petite présentation du jeu, et puis vous me direz peut-être ce que vous pensez de ce phénomène-là, contre lequel, malheureusement, on ne peut pas grand-chose. C'est un jeu de cartes, donc. Vous retrouverez, encore une fois, des airs d'Horror Arkham JCE, en version un peu dystopique, dans un univers qui pourrait être futuriste, mais qui n'est pas particulièrement réaliste. Et il y a deux mécaniques pour moi novatrices, et c'est là-dessus que je vais appuyer maintenant, qui va sortir en français, et que peut-être il va intéresser des gens. C'est l'ajout d'une notion d'espace et de temps, qu'on trouve très peu dans ces jeux-là. La notion de temps, c'est le fait qu'une partie se déroule sur une journée et que ça, c'est vraiment rendu. Vous avez une défausse, quand vous jouez des cartes, vous les défaussez, et quand vous remélangez votre paquet, ça constitue des moments de la journée où vous faites une pause, c'est le goûter, c'est le pique-nique. Donc il y a des éléments de jeu qui disent, voilà, la pioche est vide, il se passe un truc, c'est le moment où, tiens, on ferait bien une petite pause, on se pose sur un caillou et on prend un sandwich. Et il y a une autre défausse qui va être alimenté par d'autres systèmes de jeu, d'autres éléments de jeu, qui je crois s'appellent la fatigue, mais je suis pas certain. Et quand vous n'avez plus assez de cartes, que la défausse de fatigue est pleine, ça marque la fin de la journée, donc la fin de la partie, c'est le moment où on va se coucher. Et rien que ça, du coup, de donner cette notion de temps à un jeu de cartes, sans forcément ajouter de mécanique compliquée, je trouve rend très bien et ajoute à l'immersion. Ajoutez donc à cette notion d'espace, on n'a pas un seul deck par aventure comme Horror Arkham où vous faites votre deck parce que vous jouez tel scénario. Vous avez une multitude de petits decks. Et en gros, si vous dites, parce qu'il y a une espèce de carte, une carte du monde, vous dites je vais dans ce village qui est dans la montagne, vous allez chercher le paquet village en question, le village de... Je sais pas de nom, mais le village de Rangers, tac, il est dans la montagne, je prends le paquet montagne. On est en été, je prends le paquet été, je dis n'importe quoi, je mélange tout ça, et ça me fait un deck qui à la fois est circonstancié par rapport au lieu où je suis et la période où je me trouve, mais ça permet aussi du coup d'avoir des personnages qu'on ne croise que dans un seul lieu, donc ça permet d'avoir un monde ouvert sans plateau, c'est ça qui est fou, et d'avoir un vrai récit, une continuité. Si on doit sauver quelqu'un dans un lieu, on s'y rend, on le sauve, on peut le ramener, après il va changer de deck, enfin du coup ça permet de faire plein de choses que les JCE normalement ne permettent pas. Donc c'était mon coup de cœur l'année dernière, je l'attends toujours autant, je vois pas comment ce jeu pourrait me décevoir. J'en ai terminé, ça m'a fait du bien. Et j'aimerais savoir... Alors, on sentait que t'avais envie d'expulser ce truc. Ouais, j'ai envie d'en parler parce que ce jeu, il était hyper cher. On peut dire que c'est justifié ou pas, mais il était cher pour un jeu de cartes. Il n'était pas localisé alors que c'est bourré de texte, évidemment, ce genre de jeu. Donc il n'intéressait personne. Donc j'en ai parlé un peu tout seul pendant un moment. Maintenant qu'il va sortir chez un Trinfin en français, intéressez-vous à ce jeu, jetez un œil, je vous assure que ça vaut le coup. Un point de vue, alors peut-être je sais que toi Xavier t'es pas forcément trop intéressé par Earthbound en particulier, mais cette notion voilà, de VF qui arrive après, vous ça vous touche pas j'imagine parce que vous backez quasi exclusivement en anglais, c'est pas un truc qui va vous... Je sais pas, est-ce que t'as des retours là-dessus, un avis là-dessus? Personnellement, le fait qu'il y ait une VF dans une campagne de financement participatif, ça m'incite pas plus à backer, très honnêtement. Et je dirais même, avec maintenant un peu d'expérience, si c'est un jeu narratif, je pense que je ne vais surtout pas le backer en français. C'est très triste, mais je préfère
je préfère galérer un tout petit peu en anglais et m'assurer que le texte est respecté. J'avoue, par exemple, là, pour te donner une illustration concrète, je sais qu'il y a un jeu de cartes du Seigneur des Anneaux. Et en fait, j'ai appris... Oui, c'est ça. Ouais. Et je, en fait, alors c'est pas le jeu de cartes lui-même, je crois, mais c'est les noms dans l'univers de Tolkien ont dû être retraduits parce qu'ils ne suivaient pas une charte qu'avaient émis les ayants droit de Tolkien. Donc du coup, au lieu d'avoir Sylve-Barbe, on doit avoir maintenant Barbe d'arbre. Et puis, alors il y en avait un autre, c'était la forêt sombre, et maintenant c'est devenu en VF la forêt grand-peur. Ok. Et là, j'ai ce qui ne me choque pas moi, parce que je ne suis pas fan de la licence, mais j'imagine que pour les gens qui sont attachés à ça... Voilà, oui, ça... Je veux dire, en plus, quand tu prends l'anglais et que tu le traduis par forêt grand-peur, ça n'a aucun rapport. Ça n'a, oui. Ça n'a rien à voir. Au contraire, c'est là où tu te demandes s'ils n'ont pas, ils sont pas passés par Meeple, par Deeple, quoi. Mais t'as le double problème là de la localisation et des jeux à licence où là c'est du coup double peine, quoi. Hein. Sur Marvel ils sont moins embêtés je pense, mais ouais, sur ce genre de monde là. Alors pour en revenir sur Earthbound Ranger, j'avoue complètement mon ignorance parce que j'étais même pas, avant que tu en parles quand on a évoqué cette émission, je connaissais, j'étais même pas au courant de l'existence de ce projet là. Donc j'avoue mon ignorance, j'y ai regardé un petit peu. Les mécanismes que tu décris m'ont l'air vraiment intéressants. Après, j'aurais peur d'avoir justement à me retrouver à manipuler plein de decks en même temps et à les reséparer après alors que je les ai mélangés. Sur le principe, sachant quand même que tu fais ça qu'une fois par partie, donc normalement en début et en fin de partie, tu vois. Mais oui, évidemment, c'est un aspect, d'autant que les dos sont tous les mêmes, donc ce sera un petit peu compliqué, ouais. Ah, d'accord, ok. Parce que tu ne faut pas savoir ce que tu pioches. Voilà, mais sur le principe de gérer le temps et l'espace de cette manière-là, je trouve ça en effet, personnellement, très intéressant comme principe. D'autant plus que, alors je ne l'ai pas mentionné, avant de te donner la parole Kevin, il y a ce côté où tu as tes cartes à toi, que tu vas poser devant toi, et ensuite tu as des niveaux de profondeur, c'est-à-dire qu'il y a des cartes que tu vas tirer qui sont, ils appellent ça à portée de main, je traduis brutement en anglais, tu as les cartes à portée de main, donc en fait c'est ce que tu vois devant toi, tu as ce qui est dans le paysage et tu as ce qui est au lointain, et tu as différentes règles pour intervenir sur les trois niveaux de trucs, et donc... En termes d'immersion, pour moi, c'est même si les règles étaient assez plutôt une purge sur la version bêta démo, la TTS, je suis debout sur ma chaise comme je l'ai rarement été, je pense. Et j'espère que Kevin va me donner raison maintenant. Top, Kevin. Eh ben écoute, c'est intéressant parce que j'ai rien à en dire. Pour une fois que t'étais prêt, t'as rien à en dire. Non, j'exagère. Non, c'est un projet que j'avais suivi de près parce que je l'avais traité également dans le menu crowdfunding à l'époque. Direction artistique magnifique. Il était très très beau, avec un petit monde post-apocalyptique, mais comme tu disais, pas vraiment ancré dans notre... Enfin, on savait pas vraiment en détail si c'était dans notre monde, mais en version post-apo, ou si c'est un petit peu fantaisiste. On peut imaginer que c'est un peu un entre-deux. Parce que je crois pas qu'il y ait d'animaux très... fantastiques, par exemple. Je crois que c'est vraiment des animaux qui existent, pour ce que j'ai vu. Hein. Ouais. Ouais. Mm. Ouais, c'est ça. Mais c'était vraiment très très bien réalisé, c'était vraiment très très beau, un petit bonbon pour les yeux, quoi. Mais en fait, je ne m'étais pas intéressé plus que ça, même si j'avais vu effectivement les mécanismes que tu as abordés tout à l'heure, même si je n'étais pas ébouriffé par la présence de ces mécanismes-là. Enfin, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais bon, sans taper le cul par terre, quoi. Mmh. En fait, moi, c'est le prix, quoi. Simplement, c'est un jeu qui, si je me souviens bien, contient genre 250, 300 cartes. Avec l'extension, tu vas à 400, je crois, ouais, c'est ça. Avec l'extension, mais je parle du jeu de base uniquement. Ouais. Le jeu de base, c'est 500 cartes. Hein. Ah ouais, tant que ça ? J'ai regardé tout cartes. À l'heure, et l'extension, d'accord. C'est 250 en plus. D'accord. D'accord. Donc, ça fait 500 cartes, quand même. Donc oui, 500 cartes, moi, disons. 500 cartes, effectivement, c'est beaucoup. Mais après ça, c'est majoritairement des jetons par-ci, par-là. Il n'y avait pas énormément de matériel qui venait justifier seulement les 80 dollars, si ce n'est leur démarche qu'ils avaient abordée. Je crois que c'était une démarche écolo ou je ne sais plus. Production locale, etc. Ouais. Qui venait justifier effectivement le prix un peu plus conséquent que la norme que pouvait avoir théoriquement ce type de contenu en termes de matos. Et que je venais d'ailleurs, pour faire une parenthèse, que j'avais été le premier à critiquer en disant c'est quand même bien joli de vouloir être écolo et de faire porter le poids au backer. Oui. En mode on veut pas rogner nos marges, donc si vous payez plus cher, on sera écolo. Voilà, je ferme la parenthèse. Ça rejoint un petit peu ce que j'avais dit récemment dans le menu crowdfunding sur Daybreak, que tu as peut-être regardé. On est très écolo, on met pas de plastique, on n'utilise pas de ça.
mais on va vous livrer avec un porte-container depuis la Chine. Ça sera un peu le greenwashing quand même, malgré tout. Quoi. Malgré tout, ouais, ouais. Non, c'est difficile de trouver, à part peut-être Hijacked, pour faire une parenthèse dans la parenthèse, qui a vraiment une démarche, c'est-à-dire que le type te fait un jeu produit localement avec le prix que ça lui aurait coûté s'il avait produit en Chine, mais sinon, t'as du mal à trouver des éditeurs exemplaires, c'est vrai. Ouais. Je m'étais intéressé au jeu, il avait l'air très sympa, mais le prix quand même semblait un petit peu trop élevé. Pourtant, j'ai déjà mis autant d'argent, voire plus d'argent sur d'autres jeux, mais quand il semble avoir un matos qui me semble correspondre à peu près à une fourchette de prix, ça me va, mais quand vraiment j'ai l'impression que le décalage est un petit peu trop fort, j'ai du mal. Toi, tu back les campagnes de Game Trace, quoi. Oui, toi, c'est tu vas chercher. C'est vrai ? Ouais. Ouais. Ce serait presque un sujet à voir, ça arrive un peu tard maintenant, mais. C'est un. Comment dire, j'ai un facteur supplémentaire qui pourrait mener un back and game trace, ouais, pour simplifier l'installation, le rangement, le confort, l'ergonomie. Pour moi, c'est un plus. Ouais, mais c'est pas too much. Bon, on diverge, mais en même temps, on va faire que ça. C'est pas too much quand même. Game 13, là, genre un jeu où t'as un rangement pour ranger ton rangement. Et tu sais, t'as un porte-carte pour le porte-carte. Une façon de parler, mais tout a son trait, tout a son truc, quoi. Tu sais, le moindre petit jeton, il doit être posé sur un truc en plastique, quoi. Alors, c'est pas uniquement du rangement. Tu as raison de ce point de vue-là. Le game trace, c'est aussi de la déluxification, clairement. C'est aussi pour l'objet. C'est pas uniquement pour le rangement, l'installation, mais je trouve que c'est quand même bien plus agréable de pouvoir mettre ton jeu en place et de ranger en 3 minutes plutôt qu'en 15 minutes si tu sors avec un Maracaibo ou avec un Eki rempli de sachets en plastique. Oui. Xavier, dis-moi tout. Tout. Tu voulais t'exprimer. Voilà. Oui, je voulais m'expliquer. Oui, si. Pour le prix justement de Earthbound Ranger, qui paraît cher à Kevin, moi qui ai une assez longue pratique des jeux de cartes à collectionner, parce que j'ai commencé avec Magic lorsque Magic est sorti en français. Oui, je suis aussi vieux que ça, et je vous en quiquine. Et tu n'en as pas l'air. Je sais à quel point, finalement, des cartes, ça coûte cher rapidement. Et franchement, quand j'ai vu tout à l'heure le nombre de cartes et le prix, bah moi, ça me semble carrément correct. Même carrément, limite pas cher. Enfin, c'est l'argument de l'éditeur. C'est pas un jeu de cartes à collectionner. C'est pas un jeu de cartes à collectionner. Oui, mais justement. Justement. Mais c'est un potentiel JCE quand même. Quand t'as pas un jeu de cartes à collectionner, t'as tout d'un coup. C'est un potentiel JCE, mais c'est pas un jeu de cartes avec des cartes plus rares que d'autres. Non, oui, mais justement, t'achètes un truc et tu l'as en entier. T'as pas besoin de te taper des boosters, des starters de telle édition, machin. Donc du coup, là, tu payes le fait que t'as le set complet et on n'en parle plus. Et sur plusieurs centaines de cartes, le prix ne me choque pas, personnellement. Bah, quand tu compares... Les cartes... Vas-y, si tu veux. Je dirai après. Vas-y. Les cartes dans un jeu de société, c'est parmi les composants qui coûtent le moins cher à produire. Ouais, mais si tu compares, si tu veux, c'est peut-être qu'en vrai, les voitures, ça coûterait moins cher à produire. Je dis n'importe quoi encore une fois, mais si tu compares, et c'était l'argument de l'éditeur, à ce que te coûte un Marvel Champions, ou la boîte qui a peut-être, je sais pas, 200 cartes, je sais pas combien dans une grosse boîte là, te coûte 40 balles, les boosters doivent être à, je sais pas, 15 euros pour quelques dizaines de cartes. Sur le marché actuel, c'est quand même pas dégueulasse, tu vois. C'est une approche commerciale totalement différente de vendre des booster packs et t'as la licence Marvel à payer. Ouais. Ouais, c'est pas complètement faux. Je dis pas que c'est justifiable. Hein. Je suis pas fan de Marvel, donc je m'en fous complètement, mais t'as une licence à payer par dessus. Ouais, c'est vrai. Et c'est un modèle économique, les booster packs. Oui, non, mais évidemment. On sait très bien que c'est trop cher. Quand tu vois qu'ils en sont à vendre Spider Cochon, là, c'est que tu sens qu'ils sont... Vendre Spider Cochon. Ouais. Oui, Spider Ham. Ils en sont au 38e dérivé de Spider-Man dans Marvel Champions, donc il y a des gens qui ça fait plaisir. on termine peut-être ce segment, avant de passer à celui que tout le monde attend, avec l'événement ou le jeu de Xavier pour cette rentrée un petit peu décalée, hein, cette rentrée d'octobre. Suspense, Xavier, quel est ce jeu ou cet événement ? Ah bah c'est tout simplement ISS Vanguard de Awakened Realms, hein, que j'attends avec vraiment impatience. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, je l'ai backé à l'époque sur le nom d'Awakened Realms, parce que je savais qu'Etherfield était en train de m'intéresser. Donc j'avoue, je l'ai backé sur le nom de l'éditeur. Et parce que c'était un space opéra, et que j'aime bien ça, et que ça me semblait sympa. Mais ce qui me fait vraiment l'attendre avec impatience, c'est que pour une fois, et c'est rare, je me suis intéressé au newsletter d'après-campagne, où justement, il détaillait
les processus de travail et la refonte de certaines parties de jeu qui semblaient avoir moins plu aux joueurs. Et souvent, j'ai, c'est détaillé, j'ai trouvé qu'il y avait un tel travail de fond que franchement, là, ça allait donner quelque chose d'assez monstrueux. Pour l'instant, j'ai la haine totale parce que sur Facebook, il y a plein de gens qui le montrent en déballage, tout ça, et moi, je ne l'ai toujours pas reçu. Donc, ouais. En VO, j'imagine. Mais je sais que je l'attends avec impatience. Je l'attends avec impatience et aussi j'ai envie de le tester avec Kevin parce que même si c'est pas du tout le même genre de jeu, je veux voir comment ça se tient par rapport à Unsettled parce que dans les deux cas, il y a quand même une exploration de planète et de la découverte un petit peu, même si dans Unsettled c'est du puzzle finalement et dans ISS Vanguard c'est plus de l'aventure entre guillemets. Je sais que Kevin n'aime pas les grands espaces intersidéraux et qu'il préfère les petits espaces planétaires. Donc du coup, ça me semblait quand même pas mal d'avoir un truc qui se passait pas mal sur les planètes, mais qui avait quand même aussi un aspect gestion de vaisseau, gestion d'équipage, recherche, tout ça. Voilà, je l'attends avec vraiment d'impatience et parce que je l'ai aussi backé en VO cette fois. J'ai pas refait l'erreur de Heatherfield où je l'avais backé en VF, non pas pour la traduction, mais pour le temps d'attente. Ouais, ok. Donc... Alors pour rebondir un peu, peut-être pour te relancer sur ce point-là, ISS Vanguard, je l'avais dit l'année dernière, moi c'est encore pire que toi, c'est-à-dire que je l'ai backé, je n'avais encore reçu aucun jeu à Woken Realms. C'est-à-dire que mon Tainted Grail, c'était un pledge groupé qui était toujours en attente, Heatherfield, je ne l'avais pas. Il y a la branche Unsettled et il y a la branche Heatherfield. Moi je voudrais qu'on parle d'abord d'Heatherfield parce que c'est ce qui me vient là. C'est quand j'ai reçu Heatherfield, qui est le jeu auquel j'ai le plus joué, presque de tous les temps, je pense, parce que j'ai du mal à rester autant sur un jeu. C'est là que, dès que le PM a rouvert, j'ai complété, et je pense que j'ai jamais autant dépensé d'argent que sur ISS Vanguard, sans avoir voulu, contrairement à toi peut-être, me spoiler trop de ce qu'il y avait dedans. J'ai vu 2-3 bricoles, j'ai pas pu résister, j'ai regardé la vidéo de Martin. Salut Martin, Société des Jeux. Mais j'ai jamais mis autant de pognon, même dans Heatherfield. Parce que Heatherfield m'a tellement bluffé, Tainted Grail m'a déçu. Mais Tainted Grail, c'était le brouillon. Alors, pour Unsettled, et après je te rends la parole si tu veux, ou peut-être Kevin, je ne peux pas concevoir que ISS soit aussi difficile qu'Unsettled. Je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être aussi punitifs, puisque quand tu regardes la nouvelle campagne de Tainted Grail, le premier truc qu'ils te disent, c'est « Rassurez-vous, on va simplifier les trucs, on va arrêter le grind. » Et tu sens qu'ils savent qu'ils sont allés trop loin, tu vois, avec Tainted Grail, c'est mon avis d'ailleurs. Donc je pense qu'il sera plus, on ne va pas dire casual, mais plus accessible. C'est aussi, je pense, par rapport à... Je te rends la parole, ouais. Par rapport à Unsettled, c'est une échelle plus petite. T'as moins de cases quelque part. Unsettled, ça peut quand même vachement s'étendre. Donc voilà, j'attends beaucoup. Il y a peut-être un peu plus de hasard ou de fluff aussi qu'Unsettled, qui, comme tu dis, est un puzzle de petit. Mais au final, je sais pas s'ils seront aussi comparables, tu vois. Je pense qu'ISS Vanguard sera plus narratif, plus une immersion, un truc... Alors qu'Unsettled, tu peux faire 5 fois la même si t'arrives pas à gagner. C'est pas grave, t'as 3 lignes d'introduction, quoi. C'est vrai. Mais tu remarqueras que la tendance de dégrindage s'étend parce que Heatherfield, la version 2.0, c'est la même chose, soyons honnêtes. Hein. Je ne l'ai pas encore reçu, mais d'après tout ce que je lis, c'est quand même une grande simplification de la phase onirique, de la récupération des clés, de la progression dans les rêves et tout comme ça. Donc je pense que là, en fait, ils ont... Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Ça, c'est complètement un autre débat dans lequel je ne me lancerai pas aujourd'hui. Mais ils ont, en tout cas, tiré des enseignements de leur précédent projet et ils ont décidé de prendre une direction bien définie de ce côté-là, du côté de la difficulté. Après, moi, je le disais, comme je le disais tout à l'heure, la comparaison, elle est valable uniquement sur le thème Space Opera, exploration de planète. Je ne conçois pas du tout que ça soit la même chose entre Unsettled et ISS Vanguard. Et c'est aussi pour ça que je l'ai pledgé, parce que je voulais pas non plus de pledger un clone de Unsettled, ça m'intéressait pas non plus. Après, c'est peut-être pas le projet sur lequel j'ai mis le plus d'argent. La palme reste certainement pour moi à Chiptery Games sur Too Many Bones, parce qu'il y a un élément qui rajoute du pognon dans la machine, c'est le Trove Chest. Donc bien voilà, sûr. Ça, je crois que pour moi, on ne fera jamais un accessoire aussi inutile et aussi parfait, je pense. Voilà. Et encore, moi, je l'ai eu quand il était à $75, parce que là, actuellement, il est à 150. Ouais, c'est vrai. Et du coup, t'as acheté t'as précommandé le nouveau personnage exclusif Environ 1 minute 30 après le début de la campagne. J'ai même pas réfléchi de savoir ce que ça apportait, j'ai cliqué sur back. Tu penses qu'il y a des gens qui vont spéculer là-dessus? Moi je l'ai pris parce que j'aurais mon jeu en VF, mais je voulais tester ce nouveau perso un peu exclusif. Tu penses qu'il y en a qui vont spéculer là-dessus? A priori, il n'y aura pas de stock derrière.
Pourquoi ne le ferait-il pas ? Oui, voilà. Déjà, première chose, pourquoi ne le ferait-il pas ? Et deuxième chose, je ne suis pas la bonne personne à qui poser la question parce que moi, c'est un concept qui m'est vraiment étranger. J'ai déjà posé la question à des joueurs sur Facebook quand ils faisaient des photos de leurs étagères de jeu. Et je leur ai dit au bout d'un moment, excusez-moi, il n'y a absolument aucune critique dans ce que je vais vous demander, mais comment ça se fait que 60% des jeux que vous avez sur vos étagères sont toujours sous cellophane ? Ah ouais. Et ils m'ont dit, bah, parce que pour l'instant, j'y joue pas, j'ai pas le temps, et que si jamais, quand j'arrive le temps d'y jouer, bah, j'ai plus envie d'y jouer, je peux le revendre aussi cher et je perds moins d'argent. Et là, j'ai posé la question, mais pourquoi vous l'avez backé de base ? Moi, quand je reçois un pledge, la première chose, c'est que j'explose tout, je dépunch tout, j'organise tout. Peut-être que le jeu sera nul, mais c'est le mien, bon sang. C'est... Ouais, je comprends ça. Voilà, donc tu vois. Disclaimer, il n'explose pas vraiment la boîte. Hein, non. Il n'est pas si con. Ça, merci. fallait le préciser quand même. C'est vrai. Alors, vas-y, termine. Voilà, donc tu vois la spéculation. Moi, je sais qu'elle existe et il y en aura sans doute, mais dans quelle proportion est-ce que je peux pas tellement te dire, honnêtement. Alors, avant de te donner la parole, Kevin, je vais peut-être soulever un dernier point ou revenir sur un truc que tu disais. J'ai l'impression quand même que pour Etherfields. Ce dégrindage, c'est vrai, moi j'ai largement passé mes 50 heures de jeu sur Etherfields. J'ai l'impression que le problème, c'était que Etherfields, c'est un jeu d'auteur, c'est Michel Horas qui l'a fait, et il l'a fait, je pense, peut-être pas tout seul, mais c'était quand même lui qui décidait tout, et qu'il a fallu attendre les retours en masse de gens qui disaient « putain, c'est quand même chaud », pour qu'on se dise « bon, Michel, on va peut-être simplifier un peu les choses ». Et c'est comme certains films, tu sais, qui, faits par certains réalisateurs français, seront imbitables pour la plupart d'entre nous, gueux que nous sommes, et d'un coup on dit non mais attends, on va ramener Universal et puis on va mettre 2-3 bimbos et puis on va simplifier la fin, et là le film il se vendra mieux. Et bon voilà, à titre perso je sens ça que ce soit une mauvaise chose parce que là il est vraiment 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 retors, mais il y a cet élément là aussi à voir, c'est qui a fait ISS, qui a fait Etherfields, et du coup c'est pas du tout la même la méthode de création. C'est vrai, tout à fait. Un petit mot là-dessus, Kevin. C'est vrai quoi, c'est un point intéressant quand même d'ailleurs qu'on pourrait souligner, l'association d'idées qu'on fait parfois entre un éditeur et ses jeux, alors que parfois c'est juste des auteurs complètement différents et que c'est juste l'éditeur qui parfois va faire un job derrière d'édition, etc., de matos, de relecture des règles, etc., mais c'est fondamentalement des auteurs différents, donc des jeux différents, mais on les associe malgré tout. Ouais. T'es curieux, toi, de l'essayer, ISS ? Pour en venir justement à la ISS Vanguard, bah oui, je serais curieux de l'essayer. Effectivement, comme Xavier l'a dit tout à l'heure, et ceux qui suivent la chaîne éventuellement le savent peut-être aussi, je ne suis pas très très fan des jeux qui se passent dans l'espace, mais pour le coup, une fois qu'on pose le pied sur une planète, ça va. Une fois qu'on est arrivé. J'aime pas les grands espaces où je ne vois pas ce qui est autour de moi. Si tu veux. La mer, ça me stresse. D'accord. L'espace, ça me stresse. Même en jeu. J'ai essayé juste au jeu vidéo. Comment ça s'appelait cet énorme bac à sable avec des planètes dans tous les sens? No Man's Sky, ouais. C'est ça? No Man's Sky, j'ai essayé, et c'était sympa, franchement, mais les phases où tu n'étais pas sur une planète, où tu naviguais simplement dans ton navette spatiale entre deux planètes, ça me stressait, parce que des fois, tu passes 5 minutes, il n'y a rien. Et tu te dis, est-ce que je vais arriver quelque part au bout d'un moment, tu vois? Ah oui, le trauma va à ce point-là, alors. Oui, mais vraiment, ça me stresse. D'accord. Ok. Donc, là... On va explorer des planètes, donc oui, ça me va. Tu laisses Xavier piloter, et une fois qu'on est arrivé, tu peux venir à la table. Voilà, c'est ça. Voilà. À la limite. Le reste du temps, je serai dans mon coin, tu sais, en PLS. Je vais me mettre comme ça, tu sais, en PLS, tranquillement. Mais effectivement, il y a plusieurs mécanismes qui avaient l'air relativement intéressants, si je me souviens, parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas penché sur ce sujet, mais il me semble que tu pouvais notamment enrichir ton équipage au fur et à mesure, tout je à crois. Fait, ouais, ouais. Tu peux faire des recherches, justement. Des cartes dans un livret. En fait, t'as un livret qui représente ton vaisseau avec le deck où tu mets le deck dans le sens le pont où tu mets les cartes de ton équipage, etc. Ouais. Des cartes dans un placement réservé. Tout à fait, ouais. Ça avait l'air assez fou de ce point de vue-là en termes d'édition et puis en termes de mécanisme aussi. Carrément. Donc, ouais, j'ai hâte de l'essayer. Et puis, on sait tous la qualité d'édition que peut avoir Awaken Realms de toute façon. Même si tout à l'heure, tu abordais le thème de Game Trays qui en fait peut-être un peu trop, on pourrait presque aller jusqu'à dire qu'ils en font un petit peu trop aussi avec les miniatures, avec le lavis sur les miniatures qui rendent encore plus magnifiques les miniatures, etc. Ah oui, mais fallait bien qu'ils m'extorquent 500 euros, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu voilà, veux. Et encore, j'ai pas pris tous les trucs, hein. Souvent je suis sur des all-in gameplay, ce qui est déjà plutôt bien, mais je vois qu'à chaque fois qu'ils ont ouvert le PM, j'ai rajouté une bricole qui sert à rien, et donc même les mouchoirs en papier, même les porte-tasses, même les préservatifs, non, tout, moi je prends tout. Moi.
Voilà. Ce que vous ne savez pas, c'est que Xavier, à chaque fois qu'il fait une intervention sur la chaîne, en réalité, il est en slip. Il ne reste que des t-shirts. Il a tout vendu. Xavier a faim. Faites vos dons. Voilà, exactement. On va passer sans transition, puisque évidemment, on a explosé les compteurs. Hein. Je savais qu'on aurait du mal à se tenir. Je savais qu'on aurait des choses à se dire, mais c'est aussi, je pense, l'intérêt de ce nouveau format. Et j'espère qu'il y a les auditeurs ou les viewers nous diront en commentaire ce qu'ils pensent de ce format, si c'est trop long, si au contraire c'est bien de te laisser un peu porter, puisque l'idée, pour faire une micro-parenthèse, c'était un petit peu d'encapsuler, de capturer ce que sont plus ou moins nos discussions quand on se parle en fait. Et où parfois on disait, tiens, ces discussions, ces débats sont intéressants, peut-être leur place sur YouTube, sur Spotify, etc. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et à éliminer l'un de nous trois, voter pour éliminer, donc l'un de nous trois, mais pas moi quand même. Le maillon faible. Le maillon faible, voilà. Non, moi j'ai le totem, hein, je suis protégé. Le totem du pledge à combien, t'as le droit de le dire ou pas, hein, ton pledge ISS là, qui est même pas le plus cher, mais malgré tout. Ouais, en j'ai gros, le droit de le dire, mais le problème c'est que je m'en souviens pas, mais... Oh, je sais pas, ça devait être comme Etherfield, parce que Etherfield c'était 600$, donc... Je croyais que le all-in de l'ISS c'était plus cher quand même, avec les petits supports pour l'aider, toutes les conneries que j'ai achetées là. C'était GameFound, non? Oui, c'est GameFound, bah oui, bien sûr, ouais. Ils sont chez eux. Hein. Oui, c'est vrai qu'ils sont chez eux, t'as raison. Je regarde rapidement, parce que j'imagine que si je vais sur GameFound, je peux voir mon pledge, a priori. Oui. All-in Sundrop, ouais, il y avait des 535. Ouais, plus sport, alors ouais, c'est marrant, je le voyais un peu plus haut que ça. Ouais, ça doit être ça, parce que, en fait, je m'aperçois bizarrement que, comme un crétin, je crois qu'à un moment, j'ai créé deux comptes sur GameFound, donc du coup, je sais plus lequel c'est. Mais, Du coup, il l'a marqué deux fois, de all-in. Voilà, pour être sûr. C'est ça. Mais ça devait être aux alentours de... Pour être sûr que VFI garde ses pledges pendant 3 mois dans un entrepôt. C'est ça. En fait, les mecs de VFI, c'est qu'ils y jouent à mon pledge, je pense. Ouais. Je vois que ça. C'était ça à peu près, parce que ISS Vanguard, c'était moins cher, c'était 411$. Qu'est-ce que c'est que ce pledge de pauvre? Ah ouais, dis donc, t'aurais pas oublié les dés qui clignotent et... Attends, je comprends pas, j'ai quand même fait attention à prendre les dice upgrades, les playmats, les section pets, je sais pas, j'ai pourtant maxé le truc, mais non. Oh là là, bah, je suis limite déçu là tout d'un coup. C'est décevant. Voilà, après, il y a les scies aussi qui coûtent cher, mais ouais, il va falloir consoler les auditeurs en disant le prix que tu as dépensé sur tout Minibone, parce que là, on est tous déçus. On s'attendait à mieux. Non, je crois que ça serait plus simple de faire... Je pense qu'il a peur que ça me regarde et... Combien j'ai dépensé chez Theory Games, hein, ça ira plus vite, parce que je pense que je leur ai payé la barre de leur deuxième yacht. Hein. Ah oui, à ce moment-là. Je dois avoir tout, sauf le dernier add-on de Burn Cycle, où là, quand même, j'ai calé un peu. Mais pas encore si proche du but. Bah, Oplomachus, ils ont repoussé la livraison à l'année prochaine, malheureusement. Donc, mais il arrivera, hein, il arrivera. Et j'ai pris les deux, le Victorium et le nouveau, parce que bah, justement, j'en avais aucun. Ça, c'est pas bien. Mais tu vois, on plaisante, on rigole, tout ça, machin, mais du coup, maintenant, ce n'est plus un truc que je ferais chez Awaken Realms. Pledger sur le nom d'Awaken Realms, j'ai pas pledgé finalement les châteaux de Bourgogne. Ah oui, j'ai tout leur... Pas pledgé, ouais, leur... Oui, mais c'est les extras, tout ça, c'est comme leur gamme light, ouais. Là. Lords of... Alors, c'était lequel? Lords of... Ah oui, celui-là, j'ai sauté aussi, mais en fait, c'est Lords of Hellas, ouais. Ouais, mais non, je le voulais, visuellement, il est incroyable, non. Mais pff, voilà. Voilà. C'est celui-là, il m'a pas du tout ému, quoi. Bon, bref, mais ouais, non. C'est malgré la folie qu'on semble dégager tous les deux, ouais, on garde quand même un recul et un regard sur ce qui est proposé. Et c'est vrai que tu vois, ce projet-là, par exemple, rien du tout. Ouais. Et c'est pareil, j'ai finalement pas pledgé Tainted Grail non plus. Mais t'as bien fait, je pense. On passe à la troisième partie, tu gardes la parole, tiens, Xavier. Alors l'idée donc de cette deuxième partie, c'est, même si là on manque un petit peu de recul tous avec nos jeunes chaînes, mais c'était de mettre à l'épreuve la réception d'un jeu, le ressenti d'un jeu, avec ce qu'on en avait dit à l'époque, quelque chose qu'on fait pas beaucoup, et finalement il n'y a pas grand monde qui fait ça, cette espèce de regard sur soi, souvent parce qu'on n'a pas le temps, ça fait pas de nous des gens malhonnêtes, mais ça se fait assez peu, et là je trouve que c'était une belle occasion, comme on avait chacun un petit sujet duquel parler, même si moi le jeu n'est pas encore arrivé,
De se remettre un petit peu en question, et je pense que ça peut intéresser encore une fois une partie du public qui se dit, au-delà de la première impression de reviewer qui peut être orientée par plein de choses, par le fait qu'on ne fera pas 10 parties, qu'on n'a pas de recul sur le temps, qu'on n'a pas toujours toutes les configurations de joueurs à porter, au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'il en reste une fois qu'on a reçu les jeux, donc des jeux qu'on a backés, ce qui veut dire qu'on y croyait vraiment à l'origine. Xavier, tu vas nous parler de Tia, et on va commencer peut-être par regarder ce que, à l'époque, tu nous disais de Tia. Cet extrait date de, à peu près. Eh bien, c'était le premier patron l'addition de notre chaîne, par voie de conséquence. Donc, c'était novembre de l'année dernière, si je me souviens bien. Novembre 2021. Novembre 2021, parce qu'on n'a pas commencé les patrons l'addition tout de suite après le début de la chaîne, bien sûr. C'est un peu logique. Mais en recherchant l'extrait, je crois que c'était le patron l'addition numéro 1 de novembre 2021. Ouais, tout à fait. On regarde donc ce que pensait Xavier de Tia il y a presque un an. Je l'ai pris parce que je suis un fan absolu de la série des Heroes of Might and Magic et que le graphisme et aussi une certain nombre de mécaniques m'ont fait tout de suite penser à ça et qu'on l'a testé une fois sur Tabletop Simulator et qu'on avait trouvé l'expérience vraiment intéressante. C'est sympa. Donc là, ouais, et là, j'ai passé hier à dépuncher, à sliver et tout ça et j'étais là devant le matériel vivement que je l'ai sur la table. Donc oui, ça c'est une priorité. Et pourtant, on n'est pas fan de Tabletopia et compagnie. Non, non, jouer sur Tabletop Simulator ou Tabletopia, tout ça, c'est vraiment pour moi une béquille. Alors bah finalement, après ces quelques mois, qu'est-ce qu'il en reste? Sachant que, quand même, je suis assez content parce que Eusia, j'ai réussi à le mettre sur la table un certain nombre de fois. D'ailleurs, vous le savez, vous l'avez vu sur la chaîne des Ludovores, en fait, j'ai fait 2 ou 3 vidéos, si je me souviens bien. Donc finalement, je suis pas déçu du tout. Je suis pas déçu du tout. Tu ne parles pas en parenthèse, j'ai oublié de le dire, tu as réussi à me le faire acheter quand même, il est juste là. c'est vrai. Je ne suis pas déçu du tout, et pourtant, je dirais que je ne suis pas non plus aveugle. Je lui reconnais un certain nombre de défauts. De défauts que je n'aurais pas forcément soupçonné au début en voyant la page de la campagne, et qui se sont révélés après dans l'utilisation. Alors, les bons points, est-ce que Eusia gratte cette petite envie de Heroes of Might and Magic dont je parle dans l'extra vidéo? Oui, complètement. Sans la phase de construction de château qui est présente dans le jeu vidéo et qui n'existe pas, bien sûr pas du tout dans Eusia. Mais le côté bac à sable, aventure, je vais où je veux, je planifie mes déplacements, tout ça, c'est parfait, c'est bien vu. La variété du matériel, en termes de tuiles d'équipement qu'on peut acheter, de rencontres, de missions, là aussi c'est pareil. Après, je suis complètement d'accord, c'est un jeu assez lourd à manipuler, et qui demande quelques parties pour vraiment se fluidifier dans l'utilisation des différents espaces de rangement, des différentes compétences. De la même manière, je trouve que toutes les compétences sont loin de se valoir, et j'ai tendance à être un peu focalisé sur certaines compétences pour certains personnages, parce que les autres, c'est pas, je dirais pas, ils sont pas forcément mauvais, mais c'est pas mon style de jeu. Et donc du coup... C'est pas une question d'équilibrage alors? Ben, pour moi, non, parce que si je disais que c'est une question d'équilibrage, ça voudrait dire que j'ai testé l'autre option et que je l'ai trouvée mauvaise. Or, l'honnêteté me pousse à dire que je ne l'ai pas testée. Je donne un exemple concret. Pour un des personnages, j'avais le choix entre 2 tuiles de compétences. L'une était une compétence qui me permettait de me déplacer à travers une case pourtant occupée par un monstre, sans déclencher de combat. Et l'autre était une compétence qui me permettait, dans les endroits où on peut acheter du matériel, de faire une tentative de vol, de voler un objet, selon un prix maximum et des choses comme ça, avec un lancer dé, tout ça. Et honnêtement, l'idée de faire du pickpocket comme ça, ça ne me venait pas à l'idée, puisque de toute façon, je venais de sauver le marchand du monstre qui l'oppressait. Donc je trouvais que pour moi, c'était pas top. Donc voilà, c'est pour ça que je ne dirais pas encore que c'est pas bien équilibré, même si je trouve que justement l'action, quand elle est décrite sur la tuile, elle est chère pour ce qu'elle est, parce qu'il y a beaucoup de risques, et finalement la récompense, qui est un objet assez moyen, est très circonstancielle. Si c'est le seul objet qui te manquait pour faire un set d'armure, par exemple, et qui te permet d'utiliser un bijou bien plus puissant, alors là, oui, ça se comprend tout à fait. Mais en début de partie, bof, tu te dis, finalement, vaut mieux traverser des espaces qu'on ne peut pas traverser normalement, et donc se donner une plus grande souplesse de déplacement, plutôt que de taper sur cette compétence-là. Après, il y a beaucoup de choses à manipuler, et quand je joue en solo, j'ai remplacé très avantageusement un certain nombre de decks de cartes par une application. Là, honnêtement, j'adore les cartes, tout ça, mais honnêtement, l'application, elle est juste très bien, et elle m'a plusieurs fois évité d'oublier d'appliquer certains bonus ou de m'appliquer certains malus. Ça, c'est parfait. Du coup,
J'en viens à mon point qui est en même temps quelque chose de très bien pour moi et qui peut être un gros défaut pour beaucoup de gens, c'est que pour moi, Ossia, c'est un jeu solo. Plus je joue à Ossia en solo, plus je l'apprécie, et j'ai peur de... Si je revenais à deux avec, par exemple, Kevin, eh ben, du coup, le tempo du jeu n'est plus du tout le même. Alors, il est compensé par le fait que, du coup, on joue le monstre que l'adversaire combat. Donc, il y a du coup, ce côté fun un peu d'essayer de mettre des bâtons dans les roues de l'adversaire. Et en même temps, finalement, sur le principe, je trouve la chose un peu bizarre, puisqu'à la base, même si on est en compétition l'un et l'autre pour le nombre de points, à la base, la plupart des scénarios sont quand même plutôt dans une ambiance coopérative. Il y a un gros monstre, et il faut qu'on arrive à le battre. Et franchement, si on le fait tout seul, ça ne sera pas possible avec les règles à deux joueurs ou à trois joueurs. Donc tu dis pas ça parce que tu aurais plus une fibre solo que duo, par exemple, ça n'a rien à voir. Parce que la difficulté, le nombre de monstres, la mise en place varie selon le nombre de joueurs. Donc il y a une... Mais du coup, pourquoi j'irais jouer des crasses à mon adversaire, sachant que ça va l'handicaper, et du coup ça va nous ralentir dans l'objectif final, quelque part. Alors certes, je m'assure qu'il gagne un peu moins de points que moi, mais finalement, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Donc, quelque part, il faudrait sans doute que je refasse quelques parties en multijoueur, pour savoir vraiment. Mais j'ai un bon feeling avec en solo. Il n'y a pas une variante coopérative? Alors moi, j'en suis encore à l'étude des règles, hein, donc je ne suis pas calé du tout, mais il n'y a pas une variante qui dit qu'on oublie les points? Il n'y a pas un truc à la fin du livret? Je me trompe? Si, si, tout à fait, il peut y avoir. Mais du coup, dans ce cas-là, bah, justement, le combat avec les monstres devient encore moins intéressant. Ouais, parce que moins intuitif, en tout cas. Quand tu joues un monstre, le monstre, il peut utiliser des tokens pour relancer des dés trop faibles, et il peut utiliser des tokens pour jouer des cartes qui vont lui donner des bonus. Bah, tu ne les joues pas. Non, mais bien sûr. Tu ne les joues pas. Tu vas pas balancer un chaudron d'eau bouillante sur ton pote. Donc, voilà. Et du coup, je me fais un... Mais Xavier n'est pas ton pote. C'est un partenaire de travail. Je me permets de me faire le relais, parce que je regardais un petit peu ça tout à l'heure de certaines questions sur le forum de code, donc du gens qui me demandaient à moi, mais moi j'en suis bien, bien loin de pouvoir répondre. Alors il y a déjà quelqu'un qui disait qu'a priori ce jeu-là était plutôt orienté développement de personnages, plus que le reste. Ça va coller avec une deuxième question qui vient après. Du coup, est-ce que tu le ressens comme ça, c'est-à-dire nécessairement répétitif, mais ça colle aussi inhérent au genre, et plutôt axé... c'est gratifiant de développer son personnage pour faire des choses. Et la question qu'elle a avec, mais du coup la réponse est peut-être non, je sais pas ce que t'en penses, c'est est-ce qu'on a une vraie immersion scénaristique, à minima, je veux pas te parler d'un truc de... c'est pas Tainted Grail, mais... ou est-ce qu'on est plus sur du Mage Knight où finalement on est presque comme dans un MMO, tu vois, où on va farmer et puis être content de farmer et de casser des trucs. Où est-ce que tu, d'après toi, où est-ce qu'on se situe? On est complètement sur un Mage Knight, il n'y a pas de scénario. D'accord. On s'en fiche du scénario. On a trois lignes d'introduction qui vont dire voilà votre objectif, voilà les conditions de victoire, et après basta, débrouillez-vous. Très honnêtement, il n'y a pas d'histoire. D'accord. Et tu me disais, parce que tu essayes encore de me faire dépenser des sous, évidemment, tu me disais qu'il fallait que je passe sans même avoir joué au jeu, que j'achète l'extension, et tu me dis qu'a priori l'extension proposerait une sorte de campagne, c'est-à-dire que quand même il se tournerait vers un truc plus narratif, ou qu'est-ce que tu en attends toi, finalement? Principalement, en fait, c'est pas du tout une narrative que j'en attends, mais justement une campagne qui me permettrait de continuer à développer mon personnage au-delà du scénario que je viens de jouer. Parce que là, c'est du one shot. En fait, tu repars toujours à zéro et tu. C'est ça. Tous les scénarios du livret de base et du livret de l'extension des élémentaires sont des scénarios one shot. Ouais. Ok. Alors, le premier scénario, d'ailleurs, celui que j'avais montré en premier, ou j'avais fait jouer en premier à Kevin, est particulièrement frustrant parce qu'il se déroule sur un nombre de tours extrêmement limité, et donc du coup, t'as pas le temps de développer ton personnage. T'as le temps juste de comprendre les mécanismes. Par contre, en termes de comprendre les mécanismes, comprendre là où il faut pas faire d'erreur, il est très bien. Parce que l'erreur habituelle du débutant, ça va, comme moi je l'ai faite, ça va être d'essayer d'aller acheter des trucs le plus souvent possible. Mais en fait, en allant acheter des trucs le plus souvent possible, tu gaspilles ton déplacement. Et comme tu as un nombre de tours limité, ben finalement, t'arrives à rien. Et le premier abord, ça peut être frustrant. Est-ce qu'il manque pas, justement, moi c'est ce que j'ai ressenti, je t'en parlais tout à l'heure, ce livret d'apprentissage progressif que tu as dans Gloomhaven, que tu as dans Mage Knight, justement, où tu fais tes premiers tours en suivant ce que le livret te dit de faire. Est-ce que c'est pas un peu compliqué du coup pour les gens? Alors on peut dire qu'il est bien traduit, c'est une parenthèse, mais là la VF est tout à fait correcte. Mais est-ce qu'on n'est pas quand même au début un peu trop à devoir tout aller devant soi pour reconnaître les jetons et puis avancer 10 pages avant de... Sachant qu'en plus si tu joues en solo, il dit par contre si vous jouez en solo, allez voir page 31 parce que c'est encore pas pareil. Donc t'as 4 livrets ouverts, un peu comme quand t'apprends Tricarion.
C'est pas un peu pénible ça? Tu surpasses ça facilement toi? Moi personnellement j'adore. Moi je m'en fiche complètement. Ça, c'est bavé, vraiment toi. Pas un problème. Par contre, c'est vrai que j'adore ce que par exemple a fait Cheap Theory Games dans Cloud Spire. Oui, aussi, exact. Dans Burn Cycle, un premier scénario complètement guidé, au moins dans le premier round complet, où on t'explique tous les mécanismes, tous les avantages et les inconvénients. C'est génial, c'est super. Mais fondamentalement, j'en ai pas forcément besoin. Au contraire, quelque part, dans ce qui s'est passé pour moi dans Eusia, c'est qu'à chaque fois que je jouais, que je trouvais que c'était, il y avait un truc qui allait pas, je trouvais l'erreur, je rejouais et ça allait mieux, et donc je faisais plus de trucs. Donc ça me motivait, et là je refaisais d'autres erreurs, et ainsi de suite. Finalement, d'accord, j'avais ma propre courbe de progression. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Hein. Je comprends tout à fait qu'on puisse préférer être beaucoup plus guidé que ça. Eusia, c'est un jeu qui se mérite un peu, je trouve. Oui, ça, j'aime bien cette expression-là, et elle, je pense qu'elle est assez vraie pour Eusia. Et du coup, tu penses vraiment, on voit la taille de la boîte derrière moi, là. J'ai l'impression que l'extension ne sera pas beaucoup plus petite. Tu penses vraiment rentabiliser, entre guillemets, j'aime pas cette expression-là, mercantile, mais en temps de jeu, l'excès de matériel, tu penses vraiment que c'est nécessaire, c'est un grand mot, mais que vraiment ça sert, tu vois? Moi, c'est une question qui me hérisse un peu les poils quand je lis sur les forums comme Facebook. C'est moi, quand j'achète un jeu, c'est parce que là, j'ai l'intention que dans 5 ans, 10 ans, j'y joue toujours. Ok. Mais donc, je veux dire, moi, l'amortissement, il se fera. D'accord. S'il y a des jeux que je revends, c'est parce qu'ils m'ont pas plu. Par exemple, je viens de revendre Nemesis, finalement, parce que j'ai pas accroché. J'essaie de revendre Everdell tout simplement parce qu'il y a la big box qui arrive. Sinon, jamais je ne revendrai Everdell. Je n'ai absolument aucune intention de revendre Cloud Spire, Wonderlands War, Anachrony ou encore Kanban EV. Je m'imagine dans 25 ans à y jouer encore. Okay. Honnêtement, malgré le nombre de sorties, si tu veux, parce qu'on en est tous là à un moment, une fois que l'étagère est pleine, là, soit tu fais de la place, soit tu arrêtes de baquer et c'est dur de ne plus être tenté, non? Comment tu vois ça? Tu vois, d'avoir deux mois de tiens quand tu auras un projet qui t'intéresse après. Je m'oriente justement plutôt sur je vais finir par ne plus baquer, au moins pendant un certain temps, pour jouer à mes jeux. Il y a un certain nombre de jeux sur mes étagères auxquels je n'ai pas encore accordé assez de temps. Il y a Perseverance de Mind Clash Games, il y a On Mars et The Gallerist, les Lacerda. Il y a Coffee Trader, mais là je commence à me dire que Coffee Trader, j'ai peut-être fait une erreur en l'achetant, parce qu'il a l'air vraiment très, très velu en termes de règles et de complexité. Il y a Weather Machine aussi de la Serda qui a l'air velu, qui était hors de prix. En fait, les gens ont l'air de dire que c'est finalement assez accessible. Alors bon, je l'ai pas backé parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas la Serda. Non, et puis 130€ pour une boîte de base, c'était... Bon bref, parenthèse, mais... T'as d'autres jeux que t'as pas encore touché suffisamment non plus. Hein, Cloud Spire, qui a pas joué suffisamment non plus pour dire qu'il est, entre guillemets, comme tu disais, avec des gros guillemets, rentabilisé. Ah bien sûr, bien... Ah non mais... Cloud Spire, je suis entièrement d'accord, il n'est pas encore rentabilisé. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre? Pour l'instant, je n'ai pas encore rentabilisé vraiment Final Girl. Là, j'ai la saison 1, mais voilà. Mais je m'en fous parce que pour moi, ces jeux-là, ils ne vont pas quitter ma collection. D'accord. Oui, mais c'est là que la question d'Adrien est légitime, dans le sens où on va avoir de plus en plus de jeux, même si à terme, tu vas peut-être t'arrêter de backer pendant 3, 4, 5 ans, admettons. Mais tu auras quand même 35 jeux auxquels tu as envie de jouer très souvent et tu n'auras pas le temps de les sortir. Donc, ça va quand même être compliqué. Et là, je pense qu'à ce moment-là, ça sera justement un choix de vie. J'ai déjà commencé à beaucoup abandonner les jeux vidéo parce que je trouve que ça me prend du temps sur mes jeux de société. Là, tu vois, par exemple, très honnêtement, après notre émission, je me disais, bah tiens, je vais peut-être jouer un peu Binding of Isaac sur jeux vidéo. Et puis, bah, finalement, sur la table, bah, j'ai mis Pax Pamir. Parce que Pax Pamir, je sais maintenant qu'en 45 minutes, la partie, elle est bien, elle est intéressante, elle est tendue, et je vais me coucher content. Donc voilà, c'est... Moi, ça va être content, surtout ça. Content, pas tendu. Oui. si tu veux, voilà, vraiment, moi, je pense ma rentabilisation, et Dieu sait que j'aime pas ce mot quand on parle de jeux de société, je pense ma rentabilisation sur le très long terme. D'accord. Ça m'intéresse pas de savoir... Ça... Bien, non, c'est pas vrai. Ça m'intéresse de savoir combien de fois j'ai joué à un jeu dans une année. Bien sûr. Bien sûr. Mais oula, je suis flou. Mais j'en fais pas un critère pour me dire oh là là, j'aurais pas dû l'acheter, j'aurais pas dû le baquer. Non, ça c'est vrai. C'est un petit mot là-dessus. Vas-y, termine. Je crois que t'as terminé. Voilà, je termine là-dessus. C'est par vague. Là, je viens de faire une vague au mois d'octobre sur Etherfields. Je viens de le ranger parce que je pense que maintenant, là, je suis arrivé à un point où il faudrait que justement que je change de jeu. Et du coup, je pense que je vais me faire une deuxième partie du mois d'octobre sur un autre jeu. Ok.
Un petit mot sur ce jeu-là, Kevin, avant de passer à ta review, ton... De Rotsia ? Ouais. Par rapport à ta partie. C'est compliqué, parce qu'effectivement, j'en ai fait qu'une seule partie avec Xavier. Enfin, même deux, en fait, parce qu'au moment de la campagne, on avait fait une partie sur TTS, à l'origine, ou sur Tabletopia, plutôt. Le retour que je peux en faire, c'est que c'était un jeu que j'ai apprécié, mais qui, pour moi... Pour ma simple expérience en deux joueurs, une fois sur Tabletopia, donc il faut mettre des réserves, etc., qui ne m'a pas semblé casser trois pattes à un ornithorynque tétraplégique du Grand Nord. Ouais. Ouais. C'était sympa, ça marchait très bien, les mécanismes étaient cool, mais en fait, pour un jeu de ce genre-là qui s'apparente plus ou moins à un dungeon slash land crawler, pour le coup, moi j'ai vraiment ressenti ce manque de scénario. Et en fait, il y a des jeux dont le scénario va émerger en même temps que tu y joues assez naturellement, où tu vas te raconter ton histoire parce que tu es plongé dedans. Alors que pour le coup, Eusia, je n'ai pas ressenti ça. J'ai vu un monstre, ok, bon, je le tabasse, ok, c'est fini, je passe à quoi ? Prochain monstre, ok. Mais j'ai pas ressenti de souffle épique quelconque, si tu veux, là-dedans. Et tu associes ça à la lourdeur des mécaniques, le fait que tu sois trop focus sur les mécaniques ou même pas parce que c'était Xavier qui gérait ? Non, c'est juste que j'ai pas ressenti comment dirais-je ? Je voyais pas où ça me menait de terrasser tel ou tel monstre, d'accord. Si ce n'est de gagner en expérience pour ensuite choper des trucs supplémentaires pour mon personnage. Mm-hmm. Ok. Donc j'ai senti ça comme de l'optimisation pour de l'optimisation. Alors, mais c'est qu'une seule partie. Voilà, et je vais nuancer en rappelant ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que finalement, je t'ai fait jouer sur le scénario d'introduction, 7 tours. Voilà. Il est mauvais en termes de scénario de jeu, il est bien pour apprendre le jeu. Mais personnellement, plus jamais je le rejouerai ce scénario. Comment ? C'est pas en ajoutant 4 tours que je vais me ressentir plus immergé par un scénario qui est inexistant à l'origine. Ah bah, il est évident par contre que si tu cherches un jeu avec un scénario construit qui va te faire vivre des moments épiques parce que tu vas lire tel paragraphe machin, faut pas jouer à Eusia. Eusia, c'est pas ça. Eusia, c'est un land crawler. T'es là, tu te balades, tu fais ta vie, tu montes de niveau, tu bats des monstres de plus en plus forts, et tu essaies de remplir la condition de victoire énoncée par le scénario au début. T'as 14 tours pour te préparer avant qu'il y ait un gros dragon qui arrive, et le 15e tour, il y a le dragon qui est là, et il y a des règles spéciales pour sa mise en jeu et son combat. Si t'arrives à le terrasser, bah t'as gagné. Si t'arrives pas à le terrasser, t'as perdu, mais tu comptes quand même tes points, et c'est tout. Mais il n'y a pas de scénario, il n'y en aura pas. Je tiens vraiment à ajouter des pincettes à ce que je dis, parce que vraiment j'ai fait que deux parties, une qui était là il y a longtemps, à l'époque sur Tabletop, il y a en plus, et une deuxième sur un scénario d'introduction, donc vraiment à prendre en compte. Mais vraiment pour l'instant, il y a des jeux, enfin j'ai jamais testé le jeu The Witcher dont on avait parlé rapidement la dernière fois avec Nix ensemble, mais c'est pas un jeu narratif, mais j'avais l'impression qu'il te portait plus dans l'univers de The Witcher, tu vois. Oui, c'est pas dur, il y a quand même des petites cartes d'histoire à la Gloomhaven. Voilà, tu ressentais l'univers du Witcher, tu te sentais imprégné de ça, je trouvais. Est-ce que tu as beaucoup joué à Heroes of Might and Magic, Kevin ? Jamais. Voilà. Ben voilà, je crois que là, tout est dit. Parce que tu vois, par exemple, tu te sens porté par The Witcher, parce que c'est The Witcher et que tu le connais bien, et tu l'aimes, le jeu. Et moi aussi, j'aime l'univers de The Witcher. Donc de base, peut-être. Tu pars avec un background déjà construit. Peut-être. Je pense. Might and Magic, qui d'ailleurs va lancer sa propre campagne. En un mot, du coup, Xavier, par rapport à ta review, ton impression d'origine, alors c'est quoi ? C'est mieux, c'est moins bien ? Tu regrettes d'avoir dit des choses ou finalement tu maintiens absolument complètement pas ton truc ? Je suis, malgré les imperfections du jeu, parce qu'aucun jeu n'est parfait, malgré je les suis haters. Absolument entièrement satisfait de mon investissement et je regrette toujours, et je regrette encore moins mon investissement dans la campagne suivante pour l'extension. Je l'attends avec extrêmement d'impatience parce que justement je veux voir ce qu'ils vont faire avec la campagne et le fait que tu puisses jouer en tant que personnage jouable le grand méchant de la campagne. Kevin, on change complètement de prisme là avec donc ton procès, hein, ton passage au grill, avec une présentation slash impression d'un jeu qui a fort bien marché et qui a été très très vite localisé, qui s'appelle Flamecraft. Regarde donc ce que tu nous disais de Flamecraft il y a maintenant quelques mois. Les critiques sont toutes plutôt dithyrambiques, enfin toutes dithyrambiques dans le sens où toutes trouvent le jeu... vraiment magnifique visuellement parlant, très agréable en termes de gameplay, mais beaucoup s'accordent également à dire que le jeu est un petit peu léger. C'est vrai que c'est pas un jeu lourd, c'est pas un 3.8 ou un 4.2 sur BGG,
on va plutôt aller sur du 2.5, 2.8 sur 5 sur les critères de complexité de Board Game Geek. Donc un jeu plutôt léger, certes, mais qui a l'air très très efficace et très agréable. Bon bah voilà, donc plusieurs mois se sont passés entre temps, les projets ont été livrés, vous voyez la boîte derrière moi d'ailleurs. Et Flamecraft, qu'est-ce que ça donne finalement? Bah, on en a parlé récemment sur la chaîne, notamment avec une expli partie Xavier et moi, où on a fait également un petit retour sur l'expérience. Et l'expérience, elle est plutôt très sympa en fait. Alors bien sûr, ce sera différent pour tout le monde, j'imagine que certaines personnes n'apprécieront pas outre mesure Flamecraft, mais si je dois faire un retour sur ce que j'ai dit à l'époque, à savoir un jeu qui a une direction artistique attendue par terre, bah, ce premier point, oui, c'est toujours à tomber par terre visuellement. Après, on peut ne pas apprécier le style très choupi, pas de souci avec ça, mais on peut au moins, à minima, admettre que c'est super bien réalisé. Ensuite, désolé, cher Nyx, hein, mais oui, il y a un game trace et il est très bien. Voilà. Mais non, mais il y en a des biens, il y en a des biens, c'est pas le problème. Non, mais c'est un vrai plaisir de pouvoir ranger, installer beaucoup plus rapidement. Le matos est fou. Les pièces, je crois que j'ai jamais vu des pièces aussi bien produites dans un jeu. Elles sont bien lourdes, vraiment très agréables en main. Ça, c'est vraiment très bonne qualité. On notera, pour faire encore une parenthèse, c'est ma spécialité, que sur les deux derniers jeux localisés par Lucky Duck que j'ai reçus, qui sont donc Overboss et Flamecraft, on a à chaque fois un Game 13 pour un prix qui défie toute concurrence, sans faire de promo un peu abusive. Et je suis surpris qu'on arrive aujourd'hui en boutique à te vendre un jeu incluant un Game 13 dans les 40 balles, tu vois, je suis assez bluffé par ça. C'est vrai. Les miniatures sont très très jolies aussi d'ailleurs. Pour quitter l'aspect direction artistique et matériel, même si on peut aussi noter que même dans l'édition de base, il y a un playmat, oui. Ça aussi c'est quand même à signaler. Playmat plus Game Trace pour une édition de base à 40$, c'est quand même assez fou. Mais c'est aussi parce que je pense qu'ils parient sur le fait que ça va se vendre en grande quantité. Et dans le temps. Ils vont quand même réussir à avancer. Au-delà de la direction artistique et du matos, du coup, j'avais aussi mentionné le gameplay efficace, mais avec une inquiétude à l'époque qui demeurait, à savoir l'extrême légèreté potentielle qu'on pouvait entrevoir durant la campagne pour le jeu. Et c'est le seul point qui me faisait potentiellement un petit peu peur, parce que les mécaniques avaient l'air sympas. Ils révolutionnaient pas le genre, mais ils avaient l'air très sympas. Mais j'avais un petit peu peur, justement, du manque de profondeur, même si c'était peut-être un truc que je prenais un petit peu moins en compte, dans le sens où c'était aussi un jeu que j'espérais pouvoir sortir, par exemple, un peu plus tard, pas tout de suite, bien sûr, mais avec mon neveu, par exemple, ou un jour, mon fils, par exemple. Et en fait, cette inquiétude-là aussi a été balayée assez rapidement, parce que effectivement, c'est un jeu qui est très accessible. On explique le jeu en l'espace de 5-10 minutes, c'est compris. Un tour de jeu, et puis voilà, c'est vraiment, t'as compris tout ce qu'il fallait comprendre. Mais il n'en reste pas moins que t'as quand même pas mal de choix et de, comment dirais-je, tu dois quand même pas mal cogiter avant de faire tes actions, même si les interactions, les choix des autres joueurs vont impacter un petit peu ce que tu vas faire, donc il y a toujours aussi un petit peu d'adaptation à avoir vis-à-vis des actions des autres joueurs. Mais c'est un jeu qui finalement fait appel plus que je ne l'aurais pensé à tes méninges, et donc qui me laisse une très bonne impression, y compris en termes de gameplay, même si effectivement c'est léger et que nous on a peut-être un biais cognitif, Xavier et moi, qui va plus sur les gros jeux, mais on apprécie également les jeux plus légers quand ils savent être légers mais malins. Ce qui est le cas, je pense, avec Flamecraft. Alors je te lance, je remets deux pièces là pour relancer la machine, deux points sur lesquels moi je voulais insister. Je vais parler plus brièvement que toi de Flamecraft dans mon récap la semaine prochaine. Moi je l'ai pas backé parce que le gameplay m'avait l'air moisi, genre tenir sur un post-it, et finalement ça c'est le point qui moi m'a surpris, c'est-à-dire que finalement pour marquer des points, c'est comme une espèce de gros engine building, puisque tu aménages les commerces, et pour marquer des points tu dois aménager les commerces qui profiteront après aux autres, donc il y a un aspect vraiment malin là-dessus. Moi j'ai pas réussi sur mes parties à être à fond, il m'a manqué, tu sais, j'étais très froid, un peu comme toi avec Eusia en gros, et peut-être parce que le design, la DA était trop choupinou. Il y avait un contraste entre le choupinou et le fait que c'était très mécanique, très machin. Et pour moi, il y a une dissonance qui était bizarre. Et je veux juste aussi remettre une pièce, quitte à t'agacer un peu. Pour moi, le playmat est merdique. Il est tout en longueur. C'est une grande saucisse. Et du coup, bah, si tu joues à 3, par exemple, moi j'ai fait surtout des parties à 3, et bah, celui qui a un bout de la table, il n'a pas accès à la pioche parce qu'elle est trop loin. Et celui qui a l'autre bout, bah, il voit pas les cartes si t'es trop loin aussi. Et je vois pas l'intérêt. Pour moi, c'est contre-productif à crever
D'ailleurs, on va parler de sbires le mois prochain sur la chaîne. Ils reviennent, ils font machine arrière sur cette histoire de plateau en longueur, là, parce que dans quelle configuration, à moins d'être face à face, mais il y en a un qui voit tout à l'envers, dans quelle configuration tu fais du plateau en longueur ? Toi, ça te gêne pas, toi ? Alors, la largeur m'a surpris, de prime abord, pour être honnête. C'est là où Xavier peut placer une vanne, peut-être ? Large. Non, même pas. Il va se retenir. Voilà. Ce que tu as dit, c'était pour un public familial. Oui, tout voilà, à fait. Je reste familial. Non, mais c'est vrai que la largeur, au début, m'a pas mal servi. Du coup, maintenant, je l'ai rentré, évidemment. Et en fait, je pense que c'est aussi pour permettre à l'illustratrice, de s'illustrer, parce qu'ils ont fait des cartes jumbo pour les magasins. Enfin, elles sont vraiment très, très costaudes. Et du coup, ça les met bien en valeur. Effectivement, c'est très large, mais en fait, vous savez, moi-même, à chaque fois qu'on y joue, c'est sur des tables assez larges, on est en face à face, même quand on est à 4, on y a joué d'ailleurs ce matin à 4, en face à face, on n'a aucun problème. Tu as mentionné le fait qu'on voyait les cartes à l'envers. Toutes les cartes de dragon ont les mêmes pouvoirs, une fois que tu as compris les 5, c'est fini. Restent les capacités des magasins, ou quand tu es à l'envers, effectivement. Mais bon, c'est une ligne. Bon, c'est pas la mort. Et tu sais, t'as toujours un con qui va mettre la carte du coup dans son sens, alors que tout le reste du magasin est dans l'autre sens. Et moi, ça me rend fou. Bah, non, ça nous est pas arrivé. Et bah, moi, je l'ai, ce con-là. Il est chez moi. C'est, voilà, mes psychoses, mes souffrances. Mais je sens que Xavier a plus d'empathie. Je suis sûr que toi aussi, ça te rendrait fou, Xavier, ça. Et pour rester, pardon, sur le tapis en longueur, hein, Kevin aussi, tu dois quand même admettre que celui qui est le plus au bout de la table, enfin, où est-ce que tu mets ta rivière? Tu vois, à un moment, t'es quand même, faut tendre le bras quand même pour aller chercher la rivière de, qu'est-ce qu'on met déjà dans un coin, là? C'est pas les dragons? Si, c'est les dragons que t'es obligé de mettre dans un coin, là. T'as un marché de dragons, oui. Ouais, ils sont quand même loin, non? T'as 5 dragons et une ville? Bah, tu demandes à quelqu'un de te passer la carte. Voilà, c'est dans la question. Ouais. D'accord. Ouais. Je dois avouer que Kevin et moi, pour l'instant, on n'a pas eu de problème de maniabilité du jeu. Bah, c'est tout, oh, alors. On n'en parle plus. C'est bon. Donc Kevin, conclusion, tu maintiens du coup, alors ce que t'as dit, tu relayais surtout ce qui se disait, mais du coup, rien n'a changé dans ton esprit par rapport à ce que t'avais pu penser, voir, dire à l'époque. Ben, rien n'a changé, si ce n'est que le gameplay m'a rassuré par rapport à la seule inquiétude que j'avais par rapport au jeu, et je crois savoir que Xavier, qui n'en attendait pas grand-chose à l'origine, a plutôt été agréablement surpris aussi. Alors justement, un petit mot avant de passer à mon jeu, Xavier. Ouais, bah moi je vais tenir en une phrase, je regrette de pas l'avoir backé. Maintenant, tu me disais même que si tu voulais maintenant voilà, une version KS. Maintenant j'ai gravement la haine parce que maintenant je vois les prix de l'édition de luxe un peu partout et c'est beaucoup trop cher pour moi avec les frais de port. Donc je suis content que Kevin l'ait parce qu'au moins je peux y jouer. D'accord, donc c'est un jeu que vous voyez ressortir régulièrement malgré son statut relativement mid-range moins. Ah oui. Ce matin encore. Voilà. Et à 4 pour la première fois, je crois. Je vais finir juste par une petite anecdote. Justement, Kevin, je suis allé à la réunion mensuelle des joueurs du coin, là, donc plutôt anglophone, et il y a quelqu'un qui a proposé de faire un Flamecraft, et donc j'ai dit, bah, bien sûr, oui. Et il y a deux autres joueurs qui nous ont rejoints, extrêmement dubitatifs, parce que ce sont des joueurs de 4.0 minimum. Donc des gros, des velus, des mecs qui te mangent des lacerdas au petit déjeuner. Et sur les deux premiers tours, je voyais bien qu'ils étaient un peu dubitatifs. Et puis, après, ils ont analysé. Alors oui, c'est comme tel type de jeu. Et à la fin de la partie, on s'était tous éclatés. Ils ont dit, ouais, finalement, ça tourne bien, c'est efficace, ça révolutionne rien, mais c'est super sympa. Ok. Alors, il y a peut-être un... J'aurai l'occasion d'y rejouer avant d'en parler moi, même si je n'en donnerai pas forcément un avis, ça va être un spotlight, mais... Moi, il me manquait un chaînon quelque part. Mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était lié aussi peut-être aux joueurs qui étaient avec moi? Je sais pas. Oui, bah ça dépend forcément, à chaque fois que tu joues à un jeu, quoi qu'il arrive, oui. Ça dépend forcément de ton, comment dirais-je, de ton mood, on va dire en anglais pour le coup, parce que j'ai perdu le mot français, parce que voilà, j'ai le syndrome de Jean-Claude Van Damme, parce que j'habite au Japon depuis 10 ans, voilà, c'est comme ça, que voulez-vous, hein ? Ton humeur. Mais bon, de ton humeur du jour, on va dire. Ouais. Bien sûr, des gens autour de la table, et puis je comprends aussi que si la direction artistique très orientée choupi, qui semble vraiment faire de ça un jeu très familial finalement d'entrée de gamme, si tu rentres pas dans l'univers, effectivement, c'est un jeu extrêmement mécanique qui, pour le coup, n'a aucun thème. Moi, pour le coup, le thème, je trouve qu'on peut y entrer assez facilement parce que c'est over the top en termes de qualité de direction artistique et d'éléments de composants. Ce qui me permet de rentrer un petit peu dans le truc, même s'il n'y a pas de thème, soyons honnêtes. Ouais, bah oui, donc, non, ouais. tu,
tu vas maximiser, optimiser tes actions autant que tu le peux, mais les dragons, au final, bon, on s'en fout un petit peu. Ils ont même des dragons avec des illustrations uniques pour chacun d'entre eux, alors qu'ils ont les mêmes effets. Exact, ouais. C'est un petit peu... Ok, alors je sais pas, est-ce que c'est pas juste le tapis, parce que en fait j'ai envie encore de parler de tapis, mais est-ce que c'est pas ça aussi qui m'a cassé les pieds, la gestion de l'espace finalement, qui était compliquée pour nous aussi. Mais on peut pas retirer au jeu, moi voilà, j'abonde dans ton sens, j'étais surpris par le gameplay, et cette intelligence de devoir aider les autres pour gagner des points quelque part, parce que c'est un petit peu ça, en améliorant les magasins. On est vraiment dans l'interaction positive, et ouais. C'est vrai qu'on n'en voit pas si fréquemment que ça au final, Et c'est vrai que c'est assez agréable. C'est vrai. Ouais. C'est un peu feel good. C'est un peu feel good. Et j'ai cherché un truc à... J'ai pas pu rebondir là-dessus. J'avais rien. On passe à mon jeu, à ma review. Pour le coup, c'était une version TTS où j'expliquais un petit peu le jeu. Et c'est un jeu, donc si je ne dis pas de bêtises, que j'avais découvert assez tard dans sa campagne, avec l'éditeur duquel j'avais pas pu coopérer. Et donc, une revue que j'avais dû faire un peu avec les moyens du bord, ça s'appelle Miss Wind, et voilà ce que j'en disais il y a quelques mois. J'ai pas la réponse formelle sur le fait que c'est très mécanique, et en fait, ça va dépendre tout simplement d'une chose, ça va dépendre du temps que ça prend à fabriquer les choses et à progresser. Vous vous doutez que si pendant une partie, je peux déjà... Une partie, donc imaginons une heure et demie à deux, hein, je peux déjà avoir quasiment toutes mes skills et j'ai déjà construit 4 bâtiments, évidemment, au bout de 2-3 parties, le jeu n'aura plus aucun intérêt. On est sur un jeu où finalement, on espère que ce soit dur et que ce soit long, parce que sinon, en termes d'implication et puis de durée de vie, ça va être absolument zéro. En un mot, pas du tout. Cette histoire de difficulté là et de longueur, elle me pose aujourd'hui problème. Alors je vais refaire un petit... parce que je suis le seul aujourd'hui là, à faire acte de contrition finalement sur nous trois par rapport à cette review. Miss Wind, donc c'est un jeu qui a été financé l'année dernière, dont j'ai dit pas mal de bien, un petit peu dans l'urgence, et que j'ai testé aussi un petit peu dans l'urgence, qui proposait, un petit peu comme ce qu'a fait à la même période Lands of Galzir, un côté relax. C'est pas Animal Crossing non plus, c'est aller trop loin que de dire ça, mais c'est un jeu où tu construis ton village, c'est bienveillant, tu découvres une communauté un peu de fées magiques et tout, et d'ailleurs c'est un peu bizarre parce que c'est des fées de la nature, mais en fait tu casses la nature pour faire des maisons, mais elles sont quand même contentes. Et je trouvais ça cool. Ça, alors il y avait deux aspects. Il y a un aspect comme la BD Marchand où en fait chaque personnage a un métier. T'as le fermier qui fait ses cultures. T'as je sais plus les autres, mais il y en a d'autres. C'est plus si il y en a une couturière, je crois aussi. Et donc chacun de ces métiers est lié à une mécanique de jeu. La couturière, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. C'est du backbuilding. Le fermier, c'est des polyomino. Tu fais une espèce de Tetris pour assembler tes cultures. Et ça, déjà, c'était chouette, parce que c'était un petit peu la mode qu'avait... Pas la mode, mais la tendance qu'avait lancée la BD Marchand et qu'avait cartonné cette asymétrie absolue dans la façon de jouer de chaque joueur. Et puis donc, chaque tour, tu vas sur ton plateau, le plateau principal, tu prends une action, tu résous cette action, et ensuite, tu passes à ton plateau perso, tu fais une action aussi perso, de récolte, par exemple, pour le fermier, de planter, d'arroser, et tu progresses, le tout avec donc un deck de cartes, à la The Witcher, on l'évoquait tout à l'heure, où tu peux aussi vivre une espèce d'aventure sur le temps, tu vas ajouter ou retirer des cartes, c'est pas très lourd, mais t'as un petit fil rouge quand même. Et j'avais été emballé par ça, alors à ma décharge, j'avais quand même mis quelques garde-fous en disant attention à voir ce que ça donne sur la durée, puisque c'est un jeu comme Lands of Galizia, que tu vas ressortir, qui est pas en one-shot, que tu ressors et ton village est toujours là, et il grandit avec le temps. Je l'avais précisé, il y a eu une phase de... Je sais plus si c'était bêta ou si c'était même un peu après, où ils ont resollicité les gens qui étaient intéressés par le jeu pour retester sur TTS, et d'un seul coup je me rends compte que j'y arrive plus. C'est-à-dire que j'ai à chaud, j'ai fait cette review un peu comme certaines émissions que je peux faire, là pourquoi j'ai backé, c'est vraiment dans l'urgence à la fin, je me rends compte que ça a l'air trop bien, je back et j'explique pourquoi à chaud j'ai backé mais sans recul. Pendant la bêta, j'y arrive plus. Je fais rien, mon fermier, il gagne pas un sou. Du coup, mes tours, je les passe à faire des actions sans aucun sens pour essayer de gratter 3 pièces, pour essayer de faire un truc tous les 5 tours. Et je commence à douter à tel point que je me dis presque, je vais revendre mon pledge. Ce que j'ai pas fait parce que je trouvais ça, et c'est marrant, on pourrait aborder aussi ça dans une prochaine émission, je trouvais que c'était pas éthique en tant que youtubeur de backer un truc et de dire aux autres backez-le, et derrière en douce de le revendre. Donc je l'ai gardé, ce sera un petit peu, encore une fois, voilà mon acte de contrition, ma punition, ce sera de le recevoir et de le subir et de me débrouiller pour le revendre après, mais au moins, voilà, j'aurais pas margé dessus, je serais même pas à zéro, quoi. En solo, pour faire bref, je sais, alors, il faut aussi savoir que j'ai pas vraiment de recul sur à quel point les règles avaient changé, entre-temps, je les avais complètement oubliées.
Il y a un problème. Donc moi qui ai joué en solo, et je le voyais comme un jeu solo où t'es posé chez toi, et puis tu construis ton petit village en écoutant une musique apaisante, etc. En solo, les phases de jeu sont trop courtes en fait pour que ce soit un tant soit peu gratifiant, parce que tu fais toujours la même chose. Malheureusement, l'action sur le plateau, c'est souvent optimiser l'économie, ou piocher une carte histoire, mais c'est un truc qui se résout, c'est vraiment une scénette quoi, très très courte. T'essayes de faire un truc sur ton plateau et tu passes au tour suivant, et souvent comme t'as une vision au moins à 5 tours de ce que tu veux faire sur le plateau, puisque le backbuilding par exemple faut le remplir comme il faut pour piocher les bons trucs, en fait t'as juste hâte de passer les tours et de pouvoir faire ce pour quoi tu travailles. Donc tout seul, si t'es pas dans l'échange, dans le fait de raconter l'histoire, voilà, j'ai trouvé ça peu gratifiant. Et le vrai problème vraiment, alors c'est pour l'anecdote quand même, on a eu droit au fichier de compte rendu, on a tous fait un petit compte rendu là, tous les playtesteurs. On a eu droit au fichier global, il n'y a que moi qui me suis chié. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui n'ai pas réussi à aller au bout du chapitre. Enfin, des chapitres. C'est un peu la honte d'ailleurs. Vous voyez, Nyx, 0, 0, non, non. Et il n'y avait que moi. Donc finalement, c'est peut-être pas représentatif, mais ce qui me semble sûr, c'est que si tu pars mal, moi j'ai joué le fermier, que j'avais pas joué énormément quand je l'avais testé au départ pendant la campagne. Si tu pars mal, c'est la déchéance jusqu'au bout. T'as plus de fun en fait. C'est-à-dire que si tu crées pas bien ton économie, tu te retrouves à, bah comme je l'ai dit, à passer des tours pour gagner 3 pièces, pour tenter de faire un petit truc qui t'apporte pas grand-chose. Et quand tu fais ça, quand tu passes des tours comme ça, c'est les moments, parce que tu peux rien faire, t'as pas d'argent, etc., c'est les moments où tu vas piocher les fameuses cartes histoire. Donc en fait, le deck qui était censé peut-être me faire, alors c'était une démo, mais je veux dire, qui est censé te faire toute ta vie, tes 15, tes 20 parties, en deux parties, je l'avais plié en fait, parce que je passais tellement de temps à juste faire passer le temps que j'ai complètement brûlé ça. Pour conclure, sur ce qui est vraiment, pas une déception, je ne l'ai pas reçu, mais un fort doute et une forte remise en question d'une hype peut-être parfois un peu tardive sur mes vidéos. Je pense que la durée de vie est discutable parce que on te vend ça comme un jeu de construction de bâtiment, finalement. Alors, je vois que Xavier, tu m'écoutes avec attention, je te donne la parole après parce que je sais que tu t'y es intéressé. Je sais parce que tu l'as dit juste avant qu'on enregistre. La durée de vie est discutable parce que on te vend ça comme un truc où tu construis des bâtiments, tu construis ton village, un peu ta legacy, tu vois, en apprenant ton métier. Et finalement, les bâtiments n'ont presque aucune importance, c'est-à-dire que, pour ce que j'ai vu dans la démo, attention, pincette, ils te permettent juste de faire plus facilement les trucs que tu faisais déjà avant. Et il n'y a pas cette sensation d'achievement, tu vois, comme, allez, on va prendre un jeu qui n'a rien à voir, mais un Wild Serengeti, par exemple, où tu t'aménages vraiment le plateau, c'est beau, t'as des gros meeples, t'as des machins, ou dans Amazonia, à leur dernière campagne, t'as des petits arbres, t'as des trucs. Là, c'est des tuiles que tu poses et qui te permettent juste de gagner plus de sous, de faire plus de trucs. Et même ça, en fait, qui aurait pu être juste gratifiant en soi, peut-être qu'il aurait fallu que ce soit plus qu'une tuile quelque part, mais pour moi ça apporte rien, et j'ai rien contre un jeu qui n'a pas de but, parce que ce jeu-là clairement disait on n'a pas de but, on est juste chill, mais là je ne me vois pas, j'attends de le déballer, mais je ne me vois pas vraiment y passer du temps, déjà parce que j'ai pas eu de fun parce que j'y arrivais pas, mais en plus parce que ouais, tout seul t'arrêtes pas de faire la même chose, et il n'y a aucun, t'as pas des points où tu dis là j'ai accompli quelque chose, d'après moi. Xavier. Bah c'est vrai que je m'y intéressais et j'ai failli le baquer. Jusqu'au dernier moment, j'ai hésité. J'étais attiré par le côté où on me promettait que c'était un jeu finalement sans fin, où on pouvait continuer à jouer extrêmement longtemps parce que tout se renouvelait, tout ça. Et paradoxalement, c'est le point qui m'a fait arrêter de baquer. Parce que je me suis aperçu que moi, dans un jeu, j'ai besoin d'un point, d'un but. J'ai besoin que le jeu il commence, il se termine, et je me dis « j'ai fait ça ». Tout à l'heure hors caméra avec Kevin, on discutait un petit peu de jeux comme ça où tu simules la vie comme ça, et on pensait à Stardew Valley. Mm-hmm. À Stardew Valley, il y a un certain nombre de tours et puis c'est fini et t'as raté ou t'as réussi. C'est ta one shot. Là, un truc. Voilà. Et tu parles du jeu de société. Hein. Oui, bien sûr. Oui, du jeu de société, bien entendu. Et là, autant un jeu sans fin dans un jeu vidéo, je peux le concevoir sans aucun problème. Autant là, dans un jeu de plateau, juste simple limitation physique du matériel présent, je voyais pas comment ça pouvait marcher. Et ce que j'ai vu de la campagne n'a pas réussi à me convaincre jusqu'au bout. Même moi, j'ai pas réussi, visiblement. Donc voilà, quoi. Donc voilà, Moi, j'avoue que je regrette un peu cette review. Même si j'ai été prudent, j'ai mis des pincettes, et heureusement que je fais un petit peu attention quand je donne mon avis. Mais aujourd'hui, je la présenterai pas comme ça, parce que il suffit d'un peu de recul, c'est toujours notre problème. Parfois, on n'a pas le recul, parce qu'on n'a pas le temps d'avoir le recul. Et aussi cette tyrannie de l'agenda, avec un peu de recul, j'aurais fait ça différemment. Kevin, je t'écoute. On t'écoute, d'ailleurs. Je me suis penché aussi sur le sujet de campagne à l'époque, parce que le jeu avait l'air magnifique, en fait, simplement. Parce qu'en fait, souvent,
quand je prépare le mini crowdfunding, je connais déjà les projets 2, 3, 4 mois à l'avance. Tu les vois arriver en fait à l'avance, les jeux souvent. Et 3-4 mois avant la sortie, il y avait juste la couverture. Mmh. Et la couverture était magnifique. La proposition d'un monde de fantasy où tu vas arriver dans un lieu où il n'y a encore rien et il y a tout à faire, c'était super intéressant. Donc je me suis repenché sur son sujet, ils ont lancé des artworks progressivement, semaine après semaine, pour arriver jusqu'à la campagne, c'était très beau, j'étais un petit peu hypé. Et quand ils ont commencé à nous dire que, assez tôt d'ailleurs, que c'était un jeu qui n'avait pas de fin, bah en fait pour moi c'était le tue-l'amour instantané en fait. Xavier, ça l'avait d'abord attiré avant de le repousser, moi ça m'a repoussé d'entrée de jeu, c'est-à-dire que comme Xavier l'a dit tout à l'heure, c'est la même raison, c'est-à-dire que moi dans un jeu de société, j'ai besoin d'une fin en fait. Parce que comme une partie va durer, je sais pas, une heure et demie, deux heures, trois heures, admettons, bah à la fin de ces trois heures, il faut que j'ai un sentiment d'accomplissement, tu vois, quelque chose qui me dit, ça y est, j'ai fait ça, tu vois. Et du coup, moi, dans un jeu de société, si tu me dis à la fin, bah, t'as rien fait de spécial, parce qu'en fait, tu vas continuer la prochaine fois. Il n'y a pas de milestone, ouais. Non, ça m'attire pas, en fait. Ça m'attire pas. Donc la DA était très jolie, c'est vrai, même si j'ai cru voir que le matériel n'était pas si fou que ça, en réalité. En termes de production, je veux dire, c'était très joli, mais l'habillage n'est pas si fantastique que ça en réalité. Donc ça m'a pas attiré outre mesure. Vraiment l'aspect sans fin, moi c'était juste non, non merci ça. J'ai d'autres jeux qui m'intéressent bien plus que ça. Je serais curieux de l'essayer une fois, tu vois, comme ça, par curiosité, pour voir un petit peu ce que ça peut proposer et est-ce que je peux y trouver en termes de plaisir, de satisfaction personnelle, en une partie d'une heure et demie qui mène à rien. Et le pire, c'est que d'après moi, c'est même pas vrai que c'est un jeu sans fin. Ou alors Lands of Galzir est un jeu sans fin, mais dans ce cas-là, presque tous les jeux le sont. C'est-à-dire qu'à un moment, quand même, t'as construit tout ce que tu pouvais construire, t'es allé au bout du deck d'aventure, et là, l'éditeur le dit, c'est la fin, soit tu resets ton jeu, soit t'es allé au bout. Donc, ils le vendent, en plus ça repousse des gens, mais ils le vendent un peu à tort. Par contre, ce sur quoi t'as complètement raison, ce que j'évoquais, ce qu'on a tous évoqué, c'est l'absence de milestone. C'est le moment où, là, t'es au bout de, je sais pas, une quête, un truc. Non, ça n'arrive jamais. Tu construis un... Alors si, moi si, parce que du coup, quand j'arrivais pas à jouer, quand au bout de 8 heures de jeu, j'ai construit un bâtiment, j'ai fait « Wow !» Mais c'est pas comme ça que c'est censé marcher. Est-ce qu'on peut quand même le sauver en disant que c'est marrant de pouvoir changer de métier et de pouvoir jouer différentes mécaniques et que peut-être, moi c'est ce que je me dis, peut-être quand même qu'à plusieurs, voire même en famille, parce que les mécaniques sont pas excessivement complexes, est-ce que c'est pas sympa aussi, tu vois, de jouer... On va simplifier à l'extrême, mais de voir la marchande un peu, tu vois, avec des enfants, en famille, avec des amis. Je me dis, je me rassure peut-être un peu, hein, qu'il peut quand même y avoir ce côté de chill. Mais, je sais pas, il va manquer cette gratification à un moment. C'est-à-dire non, mais que... des jeux de chill, il y en a d'autres aussi. Ah oui, 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 non mais évidemment, évidemment. Mais disons que les fins, il y a des fins de saison qui sont un petit peu artificielles, en fait. On dit, voilà, il y a X tours qui sont passés, est-ce que t'as réussi à faire ça ou ça? T'as une espèce d'objectifs pour le coup, mais qui sont tirés d'un chapeau, tu vois, gagner 5 pièces ou faire un truc, t'as réussi, oui, non. Et le pire, pour moi en termes d'équilibrage, c'est que quand t'y arrives pas, ce qui était donc mon cas en permanence, tu prends des malus pour la suite. Oui. Ça n'a pas de sens dans un jeu comme ça, pour moi. Ça devrait être au pire juste narratif, au mieux te filer un coup de pouce si tu galères. Mais là, il y aurait presque un aspect un peu hardcore gamer insufflé vers la fin comme ça, pour se légitimer, je sais pas, qui pour moi n'a pas de sens, parce que c'est extrêmement décourageant quand déjà, en plus, t'es seul, et mécaniquement, tu peux pas gérer tous les aspects d'économie, puisque chaque métier a sa spécialité, quand tu t'en sors pas, mais c'est une purge, quoi, de voir, on dit t'es qu'une merde, et en plus, t'auras un malus pour la suite, quoi. Voilà ce que je peux vous en dire. Et du coup, ouais, celle-là, je la regrette. Voilà, c'était le thème un peu de l'émission. Celle-là, je la regrette bien et vous pouvez me pointer du doigt parce que je pense que je suis allé un petit peu trop vite dessus. Voilà. Et j'espère que la prochaine fois, ce sera pas moi qui regretterai. On touche déjà du doigt la fin, déjà. Après à peu près 4 jours d'enregistrement, on touche à la fin de ce podcast. Merci à vous deux d'être venus. J'espère que ça vous a plu. À vous deux, déjà. Ouais, c'est toujours un plaisir. Ouais, tout à fait. Et, tout à fait. Et bien sûr, à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas, donc, peut-être surtout sur YouTube, c'est ce qui est le plus pratique, hein, à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce format, qui va évoluer, je pense, avec le temps, avec l'habitude qu'on en prend. La volonté, c'était de ne pas avoir de limites, hein, de pouvoir diverger en permanence sans trop se guinder, quoi.
Voilà, j'espère que cette volonté-là vous plaît, vous a plu, ce parti pris-là vous plaît. Le mois prochain, on va se retrouver tous les trois, et j'aimerais qu'on évoque peut-être ce qui va arriver bientôt, c'est-à-dire le début des top 10, des tops de l'année, des meilleures campagnes, etc. Et j'aimerais qu'on évoque tous les trois avec nos auditeurs ce qui nous a marqué dans l'année, ce qui va rester peut-être dans le temps aussi, ce qui est dans notre ludothèque et qui va rester dans le temps. Donc c'est le programme autour du jeu de novembre, avec bien sûr j'espère toujours plus de jugement sur des reviews, de retour sur des reviews, parce que j'aime bien ce côté-là, j'aime bien un côté aussi un petit peu purgatoire, quoi, où on se repent de ses erreurs. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci à toi. On se dit à très bientôt, en tout cas pour ce qui nous concerne au mois prochain. Et n'hésitez pas bien sûr à aller faire un tour sur la chaîne des ludovores excessivement documentés et bien plus objectifs que la mienne. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Salut. Salut tout le monde.